Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie, et aujourd'hui je suis accompagné de PM, bonjour PM Bonjour Franck Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France, bienvenue sur beyonce.net slash live slash fr pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, vous allez sans doute découvrir que autour de vos écrans, autour de la petite vidéo, vous avez moyen d'échanger avec nous. Pour tous ceux qui sont du côté YouTube, je vous ai mis le premier lien dans le chat, c'est moi, rassurez-vous, vous pouvez cliquer dessus. Euh, Rejoignez-nous sur Behance, comme ça, on peut voir un petit peu les portfolios de tout le monde, on peut échanger avec vous et c'est toujours beaucoup beaucoup plus sympathique. Euh, PM, je vais te poser la, la, la question bateau de toujours, euh, genre si tu devais sans image te présenter en quelques mots, qu'est-ce que, comment tu te définirais euh, Aujourd'hui, je dirais que je suis illustrateur avec une touche japonaise ou d'inspiration euh, culturelle japonaise et euh, avant tout, on va dire euh, une esthétique également qui est vintage, avec la réappropriation de codes vintage. Euh, euh, et tout ce qui peut être rétro de manière générale, que je, pour agrémenter mon style de dessin, je m'inspire de, de, ce qui a été fait avant, on va dire, ce qui est assez ancien, et je l'implémente dans mon dessin. Eh ben, écoute, ça, c'est très bien, ça me semble une très bonne définition. Je sais que je fais toujours peur aux, à mes invités en leur demandant ça à brûle pour point, genre, vas-y, définis-toi en deux mots, puis finalement, tu t'en sors très bien. <laughs> Merci. <laughs> Alors, bonjour aussi à tous les gens donc, qui sont dans le chat. Franck, Sébastien, Aurélie, Virginie, Jamila, Ishi, Sébastien, un autre. Stella, Greg, Delphine, Diatou, Clémentine, Jean-Noël et Flore. Camille, François, SketchUp, Maillot, Julien de Meyer, Quentin Bagné, euh, QB, et bonjour aussi aux quelques-uns qui sont encore perdus du côté YouTube. Donc bonjour à Denis, Antoine et Thierry. Regardez le lien là où vous avez saisi votre nom, là où vous avez dit votre petit bonjour. Vous pouvez cliquer dessus et rejoignez-nous du côté Byant. Ce sera vachement mieux comme ça je pourrai regarder les liens de tout le monde. Euh, je vais faire un tout petit tour sur le calendrier de la semaine parce que je sais que je l'ai pas fait ce matin, j'ai pas pris ce temps-là et j'ai profité d'être avec toi donc pour nous emmener donc nous rappeler que hier à 14 h on a reçu Neil et avec Pauline ils se sont amusés à détourner démonter euh, ces photos. Donc, c'est pas mal d'expérimentation, de, pas mal de feedback créatif, c'était plutôt chouette. Ce matin, on a fait un petit tour dans Audition, pour le montage, Audition et Première. Euh, demain après-midi, je reçois Caroline Atia. Ça va être du dessin, et de, de l'illustration et beaucoup d'animation, parce qu'elle fait ça très bien. Jeudi, Zakizi, sur Photoshop, photomontage. Et on terminera la semaine avec euh, Ectomorph, vendredi, qui sera reçu par Pauline. Et cette fois-ci, on parlera pas trop illustration, on parlera plutôt euh, comprendre le métier, la communauté et le, le lien avec les gens avec lesquels elle interagit au quotidien. Donc voilà, ça c'était le, euh, le petit récap de la semaine. Je sais pas si toi, tu regardes les sessions de temps en temps ou, ou pas d'ailleurs. Euh, de temps en temps, ça m'est arrivé de regarder. J'ai regardé euh, bah dernièrement, parce que des collègues euh, illustratrices, j'ai regardé un petit peu Elora Potra mm -hmm. et euh, Clémence Gouy, mm -hmm. que, okay. qui sont des, des filles que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrées sur Instagram, et, à force de partager nos travaux, et, euh, et on s'entend super bien, et j'adore ce qu'elles font. Mmh. Écoute, ça me semble plutôt une très très bonne chose. C'est cool de pouvoir justement partager, de pouvoir retrouver le programme, le. Les influences des uns des autres et de voir aussi qu'il y a des gens que nous on aime bien et que vous aimez bien aussi. Donc euh, n'hésitez pas d'ailleurs si vous souhaitez nous rejoindre, si vous souhaitez échanger avec nous après la session, il y a un Discord sur euh, l'équipe Adobe Live euh, sur lequel on fait un peu de design feedback, sur lequel on échange aussi. Euh. Il y a, récemment, ils ont rajouté un, un channel qui s'appelle Accountability, qui était justement l'idée de, de se sentir un petit peu plus redevable de ce qu'on était en train de mettre en place, et du coup de se donner bah, des, euh, des trucs et astuces, des bonnes méthodes sur... Plutôt la pratique pro de l'illustration et de la création. Donc, euh, allez voir là-bas, je vous ai mis le lien. Je vois que que Antoine nous dit c'est le FCPM, j'adore. Euh, et que <laughs> dit ça aussi. Voilà, tout, tout, tout le monde. Je pense que tu es venu avec ton fan club. <coughs> et du coup, pour ceux qui connaissent pas encore. Moi, ce que je te propose, c'est que euh, on va passer sur ta page « Beyond ». Alors là, pour l'instant, tu es un bon freeze. J'espère que ça va reprendre. Tu es toujours avec moi Est-ce que j'ai au moins ta voix Non, j'ai perdu PM. Je suis très, très déçu. Je vais essayer de... Je vais voir si j'arrive à le faire revenir. Pour l'instant, c'est juste une image figée. Tac. Je reviens en grand. Je lui laisse le temps de se reconnecter. Et puis, euh, c'est dommage, c'était exactement le bon moment pour vous faire la partie calendrier. En tout cas, son écran est toujours vivant, mais frisé. Donc il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Euh, du coup, petite question, Donc, je suppose que ceux qui ont noté le côté FCPM, c'est que euh, vous le connaissez déjà, c'est que vous avez déjà interagi avec lui, que vous avez déjà échangé avec lui euh, peut-être du, du contenu. Euh, pour ceux qui le connaissent pas encore, c'est un petit peu le, le moment de découvrir. Euh, perdition de l'invité, ouais, on a un, un invité complètement perdu, j'espère que sa connexion va refonctionner. Puis, de toute façon, euh, il, il devrait arriver, rassurez-vous. Euh, voilà, pour l'instant, on est en tête à tête, à tête, à tête, à tête, avec pas mal de gens. Euh, du coup, tous ceux qui ne le connaissaient pas, ben, j'espère que vous aurez moyen de découvrir un peu son boulot. Moi, je vais vous faire passer le lien de son Beyond, sur lequel on allait se connecter dans quelques instants. Vous devinez qui est en train d'arriver. Il est en train de revenir parmi nous. Euh, et comme il revient parmi nous, je vais attendre que sa caméra se fixe. Et je vais vous le réintégrer dans la conversation, vous allez voir, ça va être vachement bien, je crois, j'espère. <coughs> On n'était pas trop mal sur le, sur le petit début, mais il euh, y a des débuts plus complexes que d'autres. J'entends une respiration, ça veut dire qu'il a réussi à se connecter. Bien, donc je vous confirme que je l'ai dans l'oreille, par contre j'ai toujours pas de visuel et j'ai toujours pas de partage d'écran. Mais... Mais on va y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver. <laughs> ça saccade. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais on va, y, on va tranquillement venir. Bonjour Caroline, qui sera avec nous demain. Euh, oui, donc je vous ai dit, je vais vous mettre le lien de, de PM pour qu'il soit avec nous euh, au, moins, au moins en pensée si vous n'avez euh, pas encore retrouvé son. Son contenu, hop, le Beyond 2PM. Check. Et du coup, alors, en dehors de ceux qui font partie du FCPM, ce... est-ce que tous les autres vous le découvrez ou est-ce que vous l'aviez déjà vu Est-ce que vous aviez déjà vu son travail jusqu'ici C'est les petits sondages dans le chat qui mettent toujours une ou deux minutes à arriver. J'entends sa respiration, mais je n'ai pas encore de visu. J'espère que ça va venir. Sinon, je vais faire, sans... je vais faire semblant d'être lui. Et vous savez ce que je vais faire Pendant une minute, euh, je vais vous mettre un petit peu de vidéo. Donc, on va se regarder une petite vidéo de PM. Hop, tranquillement. Et je vous laisse avec ça le temps de régler les petits soucis. Ça s'appelle métro et ça dure 3 minutes. Que vous êtes toujours là, je suis content que vous adoriez la musique. C'est toujours un petit peu en boucle avec des petits glitches dessus. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez cool. Euh, vous vous doutez que si je reviens là maintenant, c'est que j'ai toujours pas récupéré PM. Euh, gros bon glitch de, de, de connexion. Donc, je vous remets une deuxième petite vidéo qu'on a trouvé bien cool aussi, euh, qui s'appelle cette fois-ci Sony et qui dure euh, elle aussi euh, quelques minutes. J'espère que ça nous suffira. Pour, euh, pour faire passer le temps et pour que vous nous rejoigniez et nous suiviez assez vite. Voilà, je vous mets Sony, le temps de récupérer PM, à tout de suite ensemble bien tranquillement et comme vous pouvez le constater je suis toujours un avec vous euh, le un avec vous qui est en mode tiens c'est dommage parce que ça aurait été bien d'avoir PM avec nous euh, je vais essayer de vous partager de vous faire découvrir un petit peu son boulot mais ça aurait été vachement bien d'avoir les explications qui vont avec et de rencontrer notre notre interlocuteur Sinon, ce serait peut-être une euh, partie, euh, partie remise, mais visiblement, il est dans un endroit où Internet est récalcitrant. Mais pas d'habitude. Ce sont les aléas du direct. On essaye de faire ça euh, en direct avec vous. Euh, je vais du coup, bah, on va faire une session un peu à la volée. C'est-à-dire que je vais vous repartager mon écran pendant quelques minutes. Je vois PM qui est en train d'arriver. Je le vois qui arrive, je ne sais pas si ça va nous permettre de lui parler ou pas. Et si ça nous permet de lui parler, peut-être qu'on va réussir à faire quand même ce bout de session. Mais pour l'instant, ça se connecte tout doucement. Euh, hop. On nous dit d'ailleurs dans le chat, assez impressionnant côté boulot, mais pas que. On a presque envie de commander à manger. Une belle image qui doit demander des heures et des heures de travail. Oui, ça tombe bien parce qu'on comptait bien lui poser la question. Quelle esthétique, j'aime bien cette palette ultra limitée. Ouais. Tellement, tellement... Tac. Et pour ceux qui... Yes. Alors, j'entends dans mon oreille que tu es connecté. Donc ça, si tu es connecté, est-ce que tu nous repartages ton écran Et on se remet en place C'est parti, on va voir si ça tient. Et je vais repartager ta tête dans un premier temps, fais un grand sourire. Yes. Hop, pardon, non pas ma tête deux fois, mais la tienne, voilà, donc là j'ai ta tête, j'ai ton écran, et je pense, si je dis pas de bêtises, que tout le monde doit entendre ta voix, donc je tiens à remercier je pense. toute notre assistance de gens patients, merci beaucoup, à vous. Ouais, merci à vous. Hein. Bah oui parce que franchement, on, se, on, on y a cru, ça nous a permis de voir Métro et Sony, Raconte-nous un petit peu ce que c'est que ces deux clips qu'on a vus. Alors, Metro et cenis ce sont, euh, alors, ce sont des illustrations euh, animées qui ont été réalisées pour un label de musique qui s'appelle Bastet Productions, qui est un label français situé à côté de Paris. Et euh, en fait, le but avant tout, c'était, euh, c'était de créer euh, deux illustrations qui serviraient euh, de cover pour les, une fois que les titres sortaient, euh, on va dire que ce soit en physique ou en digital, mais histoire d'avoir des pochettes d'albums euh, à afficher. Et par la suite, euh, comme les illustrations avaient été conçues euh, dès le début euh, dans un format euh, vidéo, mmh. et euh, on s'est, on, ben, on s'est dit, hop, on va s'en servir pour faire des masters mmh. visuels pour euh, une fois qu'elles seront mises en ligne sur sur YouTube et d'autres plateformes euh, afin d'avoir un visuel pour donner plus de contexte et plus de euh, de personnalité et de d'identité surtout euh, à la musique qu'on ouais, qu qu écoutait. Clair. Mais en tout cas, ça marche vachement bien parce que je pense qu'ils ont... Euh... Enfin, j'ai eu que des commentaires d'Ithy pendant tout la... la... <laughs> le... le temps de la vidéo et, euh... et tout le monde a été hyper attentif. Vous êtes toujours là les gens, tout va bien. Je... On... on en a perdu 3-4, mais tous les autres sont là. Ça fait hyper plaisir. Merci euh, beaucoup. Est... D'après Jean-Claude je ou... Damme, un plus simple égale 3. Il y a donc de l'espoir pour cette session. On y croit. <laughs> PM, PM, PM. J'entends le loup, le renard et le PM. Le retour, on l'entend, c'est good. Oui, c'est good. Bravo à la régie. Victoire. Bon, bon on est bien. On est bien, bon, bah, est on est aller. tous avec nous. Ça on a récupéré tout ça. Du coup, ben, je, vais, pense, je pense que je vais te, je vais partager ton écran. Puis tu vas nous balader un peu dans ton portfolio. Ouais. Hop, hein, tu es prêt C'est parti. Donc là, on est chez toi. On est chez toi et on voit ton Ok. D'accord. Ok. Alors... Comment veux-tu qu'on procède Que veux-tu que je te montre eh bien, écoute, euh, moi je dirais, euh, balade-nous un petit peu dedans, en choisissant peut-être des, euh, des images qui pour toi sont emblématiques. Euh, peut-être par ordre chronologique aussi, ça peut être intéressant justement de redémarrer, euh, de redémarrer il y a longtemps, et puis de voir un petit peu. Tiens, d'ailleurs, les deux illustrations qu'on vient de voir avec les clips, euh, ça date de quand euh, ça, c'est des illustrations que j'ai faites euh, il y a euh, ouais, il y a à peu près six mois environ. Mm -hmm. Et euh, ouais, donc c'était c'était fait il y a six mois à peu près. Il faut savoir que sur mon billet, je suis pas tellement à jour, j'ai à peu près <laughs> six mois de, de retard. Donc j'ai à peu donc, près euh, 15 elles... projets qui de, qui sont censés venir sur la plateforme. Euh, c'est ça. Donc euh... elles vont arriver après le live. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. Mais du coup, en fait, si on veut te suivre au quotidien, c'est plutôt sur l'Instagram, je suppose. Ouais, exactement. Instagram, c'est l'idéal. Après, il y a toujours Facebook, euh, dribble et Biens, idéalement. Mais, mais et euh... t'as réussi à avoir, euh, as réussi à avoir le, le PM partout, sans. Son... Oui, non, j'ai eu aucun problème. Euh, ma grande stupéfaction, par exemple, sur, sur Twitch, quand j'ai fait mon compte il y a un an, tu vois, euh, c'était pas pris, donc je me suis puré. Euh, incroyable. <laughs> Très bien. Euh, Laurent nous demande, mais par contre, PM, c'est le nom du collectif ou c'est le nom du fondateur Non, que, je, si je suis lui tout donne seul, le secret. <laughs> non, je suis tout seul, arrêtez. <laughs> non, je suis tout seul, j'ai toujours été tout seul et c'est juste que Studio est une appellation parce que... Euh, J'ai toujours pris les choses avec un peu de recul et en voyant, on va dire, assez loin, et je me suis dit des fois que plus tard, ça marche bien pour moi. Mmh. Studio, euh, le studio sera derrière parce que comme ça, euh, si jamais j'engage, en changer de nom derrière. Quoi. Exactement. Mmh. C'était deux en hein. un. Ouais, bah, tu vois, on, on était, euh, on était toute la semaine avec Pauline sur les démarches euh, entreprise et création, et là, on a une très bonne raison. Voilà. Donc euh, du coup, ça permet de, aux gens de comprendre pourquoi PM. Euh, si vous savez lire, vous avez compris. Et on n'a <laughs> plus besoin de répondre à cette question. Donc, ça, c'est une, euh, une illustration, c'est une des premières ou c'est une des plus récentes Alors, non, justement, ça, c'est une des premières, on va dire, c'est une des premières qui a marqué un peu un virage dans mon style de dessin. Parce mmh. que euh, ça a été un des premiers vrais dessins où j'ai voulu vraiment euh, retrouver ce côté euh, bah, japonais vintage, qui est vraiment une de mes, de mes pattes aujourd'hui, mais euh, qui a été, euh, on va dire, l'exercice de style. Mmh. Euh, au tout début. Et après, en fait, c'est en faisant cet exo-là que je me suis en fait, c'est ça que j'adore faire et je veux continuer. Et ça a commencé comme ça, parce que je voulais faire un, un stage chez euh, Yes <laughs> Studio. Ouais. Je voulais faire un stage chez Yes Studio et euh, qu'il avait poliment décliné. Et euh, mais je lui avais fait un truc, je m'étais dit, il faut miser le tout pour le tout, tu veux bosser chez les euh, il faut, autant. Euh... Il, faut, il faut que tu tentes le truc. Exactement, donc mmh. c'est ce que je m'étais dit. Euh, un CV, il faut qu'il soit adapté là où tu veux postuler techniquement mm -hmm. c'est comme ça donc je m'étais dit bah voilà je vais, je vais essayer de jouer sur ce tableau là et en fait en faisant ça mm -hmm. euh, je me suis dit mais en fait j'adore faire ça ça me parlait beaucoup d'utiliser de, de, une seule couleur tu vois et des textures euh, pour, en, pour enlever un peu ce côté lisse euh, sinon mm -hmm. sinon ça aurait été un peu trop graphique dans le sens trop propre trop lisse et, euh, et à partir de là en fait bah, j'ai continué de bosser comme ça euh, toujours avec euh, cette restriction de couleurs aussi parce que mm -hmm. la restriction des couleurs est, est arrivée comme ça c'était euh, parce que je voulais m'adapter à un, bah, retranscrire vraiment ce style vintage qui qu date d'autrefois. Et du coup, vraiment, on n'était pas sur l'impression euh, jet d'encre comme aujourd'hui, où c'était vraiment... Euh, c'était du tampon, quoi, littéralement. Donc, mm -hmm. euh, euh, donc euh, les couleurs étaient très limitées. C'est comme ça que ça a commencé, notamment. <coughs> D'accord, mais écoute, c'est super. Très, très Donc bien. voilà. Donc ça, c'est un petit peu... C'est le premier projet, en gros. Et tu vois, je me suis rattrapé après sur les quelques photos de japonais parce que... Euh... Tu t'es rendu compte qu'il y aurait des gens qui seraient plus tatillons Ou est-ce que tu as eu des remarques Ah oui, oui, j'ai eu des remarques, oui. Oui oui. Quand tu quand tu utilises une autre langue qui n'est pas qui n'est pas la tienne, on va dire, les gens font extrêmement gaffe et dès qu'il y, qu y a une petite erreur, on ne manque pas de te le faire remarquer. Ça c'est l'avantage c'est l'avantage du public. Il faut que ce soit il faut que ce soit dit, il faut que le public s'exprime. Ouais, euh, ouais. Très bien. Et le, Laurent nous dit ah, je ne connaissais pas au démarrage de la session, je suis tombé sur le studio et je comprenais pas trop le lien, mais du coup maintenant voilà superbe travail. Voilà tout a commencé comme ça. Euh, je t'ai présenté une deuxième illustration là, mm -hmm. qui est un peu une des, des premières illustrations euh, qui reflète euh, beaucoup mon, mon workflow et mon process de travail aujourd'hui. Mm -hmm. Ça, c'est pareil, c'est une illustration qui, a, qui doit dater d'il y a 4 euh, ans, je pense, tu vois, euh, 2017, ouais, donc c'est ça. Et euh, donc je travaillais encore beaucoup à la main, tu vois, c'est un dessin réalisé à la main sur papier. Et, euh, et en fait c'est la première fois où j'ai vraiment euh, commencé à faire de la colorisation sur ordinateur. Donc mmh. Je faisais mon dessin, je scannais, et après euh, sur l'ordi, euh, j'avais euh, j'ai colorisé. Et c'était juste un projet euh, pour pour l'école, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est vraiment pareil, c'est un des premiers dessins qui a un petit peu ramené ce côté aussi euh, bah il y a on retrouve le côté japonais, euh, le Tokyo Cyberpunk, mmh. euh, la palette de couleurs assez limitée, et euh, et on va dire beaucoup de détails de manière générale. Ouais, carrément. Alors si euh, question euh, question purement bateau sur ça, mais qui me semble important. Euh, quand tu arrives à ce niveau-là de dessin, de couleurs, etc. Où tu dis je c'était un des premiers dessins que je colorisais à l'ordinateur. Ouais. Ça fait combien de temps que tu illustres ou que tu dessines hein, avant avant Alors, de on, ça On va dire moi je j'ai je dessinais quand j'étais petit. J'ai complètement mmh. lâché l'affaire pour euh, pour faire de la musique. Au début, je voulais être musicien. Et après, euh, c'est une fois euh, m'être trompé en allant en droit, en me rendant compte que mmh. la fac de droit, ce n'était pas du tout pour moi. Et je me suis, il faut faire. Euh, j'ai envie de faire ce que j'aimais quand j'étais petit au final. Et le, la musique, j'étais pas suffisamment bon. Je me suis dit, bah je vais faire le dessin parce que a priori, j'avais un truc, j'avais une sensibilité mmh. euh, plus que d'autres personnes pouvaient avoir. Et du coup, j'ai fait, euh, je m'y suis mis et en fait. C'est véritablement depuis mes études que je dessine, on va dire, depuis que c'est vraiment une passion à temps plein. Et euh, donc, ça fait six ans, en fait, on va dire, que je dessine. Donc là, quand j'ai fait ça, je ne sais pas, je dessine depuis euh, deux ans et demi, un truc comme ça. Donc, euh... Parce que se lancer dans une illustration comme ça, tellement, tellement vaste, tellement super chargée de détails, de petits... Euh de petits éléments partout, dans tous les coins et tout. Chapeau quoi. c'est un... Je sais pas si tu donnes dans, sur la page les mesures de, du dessin original. Euh, c'est un format raisin, donc ça a fait un truc genre 50-65. Mm -hmm. Mais tu vois, tu vois là il y a une vidéo, je vais pas la lancer parce que sinon on, voit encore ouais, le... on va encore te perdre. Ouais. Mais en gros, tu vois, on voit ma main à peu près et, euh, mm -hmm. le dessin. Euh... Ouais, carrément. Ah ouais. ah ouais, et alors, euh, question, euh, question technique sur ça, comment t'as as géré le, le passage, le scan et le, euh, avant la colo Photo, <laughs> photo. <laughs> ouais, je continue encore de faire des photos parce que les scans, à euh, moins d'avoir un très bon scanner euh, et surtout une très grande taille, euh, mm -hmm. en fait, c'est c'est un enfer, le scan. Donc, euh, en vérité, même encore aujourd'hui, quand je fais des dessins tradis, que je ouais. colorie sur ordi, je prends une photo avec mon téléphone ou n'importe, et... <laughs> on se débrouille et ça le fait, hein, avec quelques réglages derrière bien, alors ça, ça, ça me va bien. Un jour, je pense que je prendrai le temps de vous faire un scanner versus téléphone, parce qu'il y a aussi pas mal de petites choses que je fais directement au, au téléphone, mais il euh, y a aussi quelques techniques qui sont cool dans Photoshop pour les gens qui ont genre un scan à 4 et qui se lancent sur du format raisin et qui regrettent au début. Mais, euh, mais même sur du scan à 4, on peut y arriver. Ça prend plus de temps que si on était sur un grand scanner rotatif, mais c'est des trucs qui courent plus trop les rues. Donc, euh, faut en profiter. Euh, alors vas-y, dis-moi. Là, on a changé de couleur. Ouais, alors là, c'est vraiment. Euh... Donc, ça, c'est un poster que j'ai réalisé pour un groupe qui s'appelle Fish. Mm -hmm. euh, donc, Fish, qui est un groupe américain euh, de rock euh, qui n'est qui pas tout jeune d'ailleurs, de... qui, former... qui a dû être formé, mm -hmm. je ne sais plus, peut-être au début, fin des années 70, quelque chose comme ça. Et, mm -hmm. euh... Et c'est, on va dire, c'est ma première. Euh... Une de mes premières grosses commandes. Euh, je venais à peine de finir les cours, l'école, mmh. je venais d'avoir mon diplôme, et euh, j'ai eu cette commande pour. Donc, c'était un poster, et ça a été la première fois où j'ai eu véritablement les contraintes de la sérigraphie, euh, donc le nombre de couleurs limitées. Mmh. En sérigraphie, plus tu as de. Comme ça ce sont des couleurs qui sont mises sur des plateaux, plus tu as de plateaux, plus ça coûte cher euh, à faire. Et donc, euh, je devais euh, produire une, une image, mais avec un nombre de couleurs limitées, je ne sais plus j'avais le droit maximum et on devait être de l'ordre 5 ou 6 sachant que le blanc ne compte pas vu que c'est le, 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 le papier ouais. et, euh, et, et c'est la première et, et 5 ou 6 c'est déjà luxe en série graphique quand même c'est un... déjà ouais, c'est 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 déjà pas mal après mmh. euh, idéalement forcément euh, moi tu, <laughs> tu en utilises plus ils sont contents mmh, euh, <laughs> donc, euh, donc voilà donc là j'ai réussi à me baser je ne sais plus Il doit y en avoir euh, 4 ou 5 max je crois Mais mmh. Et donc pour ce poster, donc là c'était l'idée, c'est j'avais fait un, un squelette, euh, squelette géant issu du, du folklore japonais, avec tout un ensemble d'éléments euh, issus de, euh, de, pareil, de la culture japonaise, et en reprenant par ci par là en fait des, tous les mots tout, reviennent de, de tracks, viennent des musiques en rapport avec le groupe. Et mmh. euh, j'ai essayé de composer comme ça, et, euh, et ça, ça a bien plu, euh, ça a bien plu. Donc ça a servi d'affiche de concert. Et euh, ce sont des affiches à chaque fois qu'ils sont... Ils en font 50, ils en font 50 pour le concert, et après ils en, ils en oui. filent 50 à l'artiste. Et en gros, c'est un peu ton ton, ton paiement. Et tu te débrouilles après pour les vendre. Quoi. <rire> <rire> ça va, est -ce elles, elles sont toutes parties ou il t'en reste alors Celles-ci, elles sont toutes parties, elles sont parties euh, très vite. Euh... Parties, parce que Fish, c'est quand même... Euh, c'est pas, pas énorme, mais c'est une communauté d'ultra-fans. Je... Ouais, c'est exactement ça, c'est fan hardcore. C est c est ça, vrai, et... je, je vois bien. <laughs> je vois bien. Coûte aussi à, à, à l'occasion si jamais tu retournes au Japon, je trouverai le, le groupe de reprise de fiches qui fait des trucs cool. Ah yes. <rire> <rire> et bah donc du coup voilà. Et c'est vrai que alors tu vois ce travail-là par exemple de posters en séraphie, du coup j'en ai fait quelques uns mm -hmm. euh, qui sont vraiment restés dans cette bah, même thématique, nombre de couleurs limitées euh, et euh, et voilà quoi. Un peu même style d'exercice à chaque fois. <coughs> Là je Là, par exemple, tu vois celle-ci, c'était pour Eddie Vader. Mm -hmm. Donc Eddie alors... Vader... Mais alors, euh, de... Ouais, de Pearl Jam. Mais du coup, là... enfin, pardon, de... genre le mec évident. Oui, bien sûr, Eddie Vedder, de Pearl Jam. Euh, <laughs> la... Quand tu commences à illustrer pour des posters, c'est eux qui viennent te chercher Oui, alors, moi, c'est un truc dans mon. Quand je travaille, euh, je... moi, je ne démarche pas du tout. Euh, ça a vraiment été mon. Euh, comment dire euh, ma façon de faire depuis le début et que j'avais un peu on va dire organisé, c'était euh, pendant toutes mes études, j'ai je me suis dit il faut que je, je tombais tout le temps par exemple sur le travail de Macbeth sur mmh. Pinterest, ouais. Mathieu Bessudo et euh, que que j'adore et je tombais tout le temps dessus et je me suis dit c'est chiant je tombe tout le temps sur ces illustrations, il y a un problème. Il n'y a pas que l'algorithme à un moment. Et, euh, et je me suis dit, bon, en gros, il faut inonder les réseaux sociaux parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Ta visibilité, tu ne vas pas la faire toute seule. Surtout si as, derrière, tu n'as pas envie de t'embêter à démarcher des entreprises, des agences pour trouver du travail. Donc je me suis dit, il faut que je me crée ma propre visibilité. Et en fait, pendant toutes mes études, j'ai posté sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, en commençant par Tumblr à l'ancienne et aujourd'hui Twitch, Dribble et, et d'autres et euh, et c'est venu comme ça et en fait petit à petit mon positionnement euh, s'est fait sur les plateformes et aujourd'hui avec mon style japonais on va dire que j'ai j'ai une visibilité qui fonctionne plutôt bien mm -hmm. euh, que ce soit sur Pinterest euh, avec mes illustrations qui pop un peu au hasard ou avec BN où j'ai vraiment euh, je suis vraiment dans mon truc enfin euh, les, les gens savent que c'est euh, le japonais vintage tout ça ça fait partie de mon empreinte et que euh, mm -hmm. on me on me connaît pour ça quoi. Mm, Donc classe. euh donc voilà, c'était donc un, un peu la stratégie marketing, on va dire, sur du long terme. Au début, ça ne marchait pas du tout. Hein. <laughs> c'est vraiment que maintenant que je commence à, à, à pouvoir profiter de, de, de ce travail d'uploader toutes ces images sur les réseaux sociaux. Oui, puis pour le coup, ça, ça, tu, comme tu dis, c'est en six ans que ça, ça prend. Mais euh, du coup, une fois que ça a décollé, ça ne ralentit plus. Quoi. Il y a toujours de l'activité. Hein. Ouais, c'est ça, ça tourne, quoi. C'est, c'est la locomotive. C'est euh... donc c'est bien. C'est, c'est quelque chose qui est bien. Et puis toujours aussi avec cette idée un petit peu, euh, on va dire dans le côté, enfin euh, marketing entre guillemets. C'était que le côté cross plateforme. J'adaptais à chaque fois les illustrations pour chaque, euh, chaque plateforme. Et euh, à chaque fois, je donnais un peu plus de, euh, de détails suivant la plateforme en question. Tu vois, mm -hmm. genre dribble, j'accède vraiment sur le, la partie de design graphique. Euh, sur Biens, je donnais vraiment tout le process, chose que je faisais pas forcément sur Facebook et je disais allez voir sur Biens si vous voulez voir la suite, etc. <laughs> comme ça, tu en mets un peu partout, comme ça les gens sont. Ils vont, ils vont voir un peu à, à gauche, à droite, quoi. Mmh, pas mal, pas mal du tout. Est-ce que c'était le genre de musique que tu jouais, que tu ou c'est complètement euh, détaché pas du tout. <laughs> Moi je suis beaucoup plus euh, black metal euh, même rap aujourd'hui mais on va dire euh, euh, le rock, je m'y suis beaucoup mis dernièrement mais de base c'était pas pas la musique de mon cœur. <laughs> en tout cas Pierre nous dit c'est vraiment superbe et Delphine pensait à Fish le chanteur de Marillion mais pas du tout, c'est pas le même Fish. Pas du tout. Il n'a a pas de PH celui-ci. <laughs> superbe superbe balade. Vas-y, qu'est-ce que où, où tu nous emmènes ensuite euh, je peux te proposer euh, tout, 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 une un restaurant un mm -hmm. restaurant parce que ça a été important ça a été un de mes premiers euh, gros clients avec qui j'ai travaillé pendant un an qui mm -hmm. s'appelle daruma Izakaya, et c'est un, un izakaya, donc un restaurant japonais qui est situé en chine à beijing et euh, la mission euh, ici, ça a été de euh, créer tout l'univers. Donc, ça a été du branding, le logo, euh, la communication, le... tout ce qu'on veut, tu vois, toutes les déclinaisons derrière possibles, inimaginables, comme là, les lanternes, des, des menus, euh, des serviettes, et euh, jusqu'au néon, au rideau, tout ça, donc à l'ambiance du restaurant. Et mmh. on va dire, tu vois, ça par exemple, c'était le menu que j'avais proposé. Donc, euh, toujours. Euh, en se faisant plaisir, l'idée c'est de rejoindre du design graphique et de l'illustration et d'essayer de trouver un espèce de match entre les deux où on garde quelque chose de, euh, de visible et de comment dire, où on arrive à lire suffisamment bien tout en, en se faisant plaisir aux yeux, en regardant euh, des illustrations et, et sans avoir quelque chose de trop froid quoi. Et alors, du coup, dans, dans des trucs comme ça, parce que il euh, y a sûrement plein de choses que tu dessines de tête complètement, le, 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 découpage, du, le découpage du poulet c'est un. Euh... Euh, d'après euh, matière c'est d'après référence et tout ou un... là par exemple le découpage du poulet ouais, c'est d'après une référence qui m'avait donné qui était assez spécifique euh, euh, mais sinon, euh, sinon ça en fait ça, ça dépend en fait il y, y a toujours beaucoup de recherche euh, sur les petits éléments qu'il va falloir trouver mm -hmm. et euh, et après mais après ça dépend c'est c'est soit l'un soit, soit l'autre en vrai c'est euh, des fois ça sort vraiment tout seul de la tête et je suis en mode genre je, dé, je commence à dessiner à l'arrache et je me rends compte ah mais ça va ça va bien matcher dans cet endroit-là ça va bien ça va bien se positionner ça va bien occuper l'espace et ouais. euh, et de temps en temps c'est vraiment genre je trouve une ref et je me dis ah ça c'est intéressant je le note je le garde pour plus tard et euh, si je j'en si ai besoin je me replongerai dedans à ce moment-là j'irai chercher ma petite note et euh, c'est là où je verrai euh, ah c'est vrai que ça ça peut marcher mm très très classe moi ça me plaît beaucoup enfin, j'ai un penchant forcé sur la sur la chose donc forcément ça m'amuse <laughs> et du coup ce isakaya, il est où il est dans Tokyo ah, il est à plusieurs, plusieurs est... endroits là, au Japon du coup il, il est à non il est à Beijing du coup ah, oui, en Chine okay. ah, oui, c'est ouais, enfin... isakaya japonais euh, direction Pékin chez la ouais, chez la concu ouais ouais <rire> <Faut> <rire> où, dire ça comme ça ou l'origine à voir c'est ça et donc, euh, donc voilà, et ça, ça a été vraiment le gros premier client, euh, on va dire, qui m'a permis au début, quand j'ai commencé freelance, euh, euh, vraiment à temps plein, après les études, qui m'a permis, on va dire, de vivre, en fait, tout simplement, mmh. euh, et de me dire, euh, ça va, je sais que j'ai mon SMIC qui tombe ce mois-ci, euh, en gros, et du coup, ça a été le premier client qui m'a permis de, bah, de pouvoir prendre des projets à côté et de pouvoir me mettre dessus vraiment à 100%. D'accord, okay. Ben ça tombe bien parce que j'ai une question de Cédric qui nous dit est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui débutent et qui n'ont pas eu la chance de faire des cours de dessin Alors, euh, qui n'ont pas eu la chance de faire des cours de dessin, euh, bah en fait, je dirais que de toute manière, euh, c'est un travail. En fait, je pense que comme dans tout travail, c'est une question de régularité et, euh, et d'effort qu'il qu faut y mettre et qu'il faut beaucoup se. En fait, il faut rester hyper curieux ce qui se fait autour. Il faut essayer, il faut rester constamment dans l'écoute, essayer de s'imprégner en fait du meilleur à chaque fois dans chaque domaine. Mmh. Et euh, je pense qu'avec cette curiosité-là, et si tu arrives à chaque fois à tirer ce qu'il y a de meilleur chez les autres, et eh ben, tu peux, euh, tu peux t'en sortir euh, correctement. Oui. Le dessin, le problème, c'est que c'est long parce que ça prend du temps à, à apprendre, mais c'est comme tout, c'est avec de la persévérance, ça se fait très bien. Et comme je disais, moi, au début, j'ai pas, euh, j'ai pas attendu de savoir, en fait, très bien dessiner pour recommencer à publier en ligne. Il faut pas, faut pas se dire, j'attends de mettre un truc en ligne quand je, je le mettrai quand je serai bon. Non, il faut le mettre maintenant. Et déjà, comme ça, les gens, ils sauront que tu dessines et ils reviendront de voir peut-être dans six mois, une fois que tu seras, tu seras un peu, un mmh. peu meilleur, quoi. C'est ça, puis je pense qu'il y a aussi beaucoup un truc de construction de portfolio au fur et à mesure, construction d'un historique, parce que là on, est, on a pris le temps de remonter sur des illustrations, mais je suppose qu'au fur et à mesure, comme tu le disais, tu as trié spécifiquement par rapport à Dribble, tu as trié par rapport à Biance, ce que tu voulais mettre dessus. Est-ce que tu ouais. retires régulièrement des projets ou est-ce que es, c'était déjà une sélection drastique au départ Non, c'est... Euh, bah... Par exemple, pour bien, c'est déjà une sélection drastique de base. Il y a quelques mmh. projets que j'en devais, mais c'est vraiment les premiers projets que j'avais publiés. Et euh, par contre, par exemple, tu vois, pour Instagram, euh, j'en retire régulièrement. Mais là, c'est mmh. plus une question de pas avoir trop de publications parce que sinon, ça peut faire, euh, on peut se dire, euh, il spam, euh, il spam et du coup, <laughs> les gens ne s'abonnent pas. <laughs> mmh, effectivement, ce serait quand même un peu dommage. Très bien. J'ai une question de Rémi qui nous dit est-ce que tu dessines les éléments séparément et tu fais une mise en page après Ou est-ce que tu penses l'ensemble avec les emplacements des illustrations avant de, de te mettre sur la feuille de dessin Alors en fait je dessine. Euh, je prépare tout à l'avance. Mm -hmm. euh, alors si j'ai bien compris la question, c'est en fait oui je, je dessine tout avant. Euh, peu importe, euh, je prépare tout. Et en fait, c'est après euh, quand je travaille dans, dans Photoshop. Est-ce que je fais beaucoup de croquis à la main, en fait ouais. Donc je pars toujours d'une idée souvent qui est, qui est mise sur papier, je prends ma petite photo et après je m'y mets sur Photoshop. Et en gros, euh, une fois que je suis sur Photoshop, euh, ce que je ne faisais pas au début, mais ce que je fais maintenant, parce que maintenant je me dis des fois que s'il faut animer, le client il veut animer, ça fait toujours un petit billet à la fin en plus qui peut tomber, donc c'est bien. Euh, je sépare euh, certains éléments je, qui je sais vont, ont plus d'importance dans, dans l'illustration, tu vois. Mm -hmm. Parce que s'il faut faire un petit mouvement de caméra ou s'il faut... Je sais pas, faut faire clignoter un néon sur, dans, dans, une, dans une rue, tu vois. Quelque ouais, chose au, comme au, ça. Sachant je... l'avoir fait en amont quand tu étais encore en phase de création, plutôt que de devoir redétourer, renettoyer, refabriquer du décor. Quoi. Exactement, ouais. Exactement. Très bien. C'est très très cool. Écoute, moi, ça me plaît beaucoup. Je pense que tout le monde a l'air très content là-dedans. Euh, Jamila est ravie, on apprend beaucoup de choses ici. Et, et Dipak hmm. Barney nous dit PM, le boss. <laughs> Trop gentil, <laughs> ouais, je pense que tu es, 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 es suivi et les gens les, les gens ont dû cliquer sur le lien. C'est bien, vous êtes les bienvenus. <laughs> Merci beaucoup. <laughs> ouais, du coup, là c'était une illustration pour première magazine, c'est ça? Oui, excuse-moi, okay, oui, pardon. Et je t'ai laissé, euh, laissé, non, non, mais euh, très non. bien. Ouais. C'était euh, ouais, donc c'était une illustration pour première magazine. C'est une illustration que j'ai réalisé il y a un an. Et alors, pour la petite anecdote, c'est la première et la. Dernière illustration que j'ai fait avec Procreate. <laughs> je venais d'acheter un iPad et mm -hmm. parce que j'avais essayé, je, je m'étais dit, waouh, c'est trop bien. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça vachement pratique pour le, pour faire tout le line art, donc euh, l'ancrage. Euh... Les, les traits noirs quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait après dès qu'il fallait passer sur de la colorimétrie des choses comme ça je me suis dit quel enfer j'ai ouais. rebasculé <laughs> sur Photoshop bah écoute, très bien ça me va bien ça me va bien je sais, je sais plus si on avait évoqué oui si je pense que ma première question pour toi ça a dû être est-ce que tu connais Fresco ou pas et je pense que tu m'avais dit non, mais je, je, je suis sur l'ordi euh, beaucoup, c'est ça hein euh, Exactement, ouais. Mmh. Fresco, je connais de nom, mais je ne m'en suis jamais servi. Et, euh, et même aujourd'hui, tu vois, depuis que même j'ai l'iPad, je ne me sers pas spécialement. Donc... Mmh. Je ne fais, fais plus, en fait. Euh, je pensais faire du dessin euh, de façon mobile, et en fait, au final, je reviens toujours à, mon, à, ma, à ma Wacom, parce que <laughs> c'est confortable. C'est <laughs> ça. Ça laisse un petit peu de, un petit peu de place. Pierre Munier nous dit mais ça rappelle le concept de Popcorn Garage tellement de détails. Euh, je sais pas si tu connais les gens de Popcorn Garage. Non, ça ne me dit rien du tout. Euh, et alors tu, 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 vous, je vous donnerai l'occasion à tous d'aller chercher ça et je vous remettrai le, le lien dans le chat. Euh, Popcorn Garage, c'est un projet de Priska et Romain Zitoni qui ont fait... Euh, alors ça date en plus d'au moins, euh, moins 5-6 ans, peut-être plus. Ils avaient ouais. fait, tu sais, une espèce de garage avec une Dolorean et plein de détails de tous les films des années 80. Euh, qui était caché partout et il fallait retrouver le nom du film. Je suis sûr que tu as dû voir passer. Ça me temps. dit un truc. Ouais, ouais euh, ça me parle. C'était un, un bon gros buzz Internet. Et en fait, depuis quelques temps, ils en font de plus en plus. Et euh, Priska est revenu il y a quelques semaines sur la chaîne Adobe France pour présenter son boulot là-dessus, pour présenter tout le lettering. Et euh, voilà, ça, ce sera des sessions à, à revoir si vous avez l'occasion. Euh, Priska sur Beyond, c'est vraiment cool. Il est, euh, il est, euh, il est vachement, euh, enfin, il touche à tout. C'est un créa complet. Donc, il fait de la photo, il fait de la vidéo, il fait du lettering, donc, euh, et il aime bien le cinéma. Il a même fait un jeu de société. Donc, si vous êtes branché cinéma, n'hésitez pas. Ah oui. Pas. <rire> ok. <rire> il est partout. <laughs> il, il est vraiment partout. Et en ce moment, ils font des. Ouais, Red Bull a fait ça aussi quand on euh, est cubé, et c'est. Et non seulement Red Bull a fait ça, mais c'est Priska qui le fait, le, le Red Bull. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Et eh bien alors, mm -hmm. donc là, on est arrivé au jeu d'arcade. Et on continue. Alors, ça, c'est un truc que, que j'aime bien dans ton boulot. C'est qu'on continue de changer de série mais, et de couleur. Mais que ça reste euh, pareil. Il y a toujours ce côté euh, peu de couleurs, peu d'éléments, peu mais qui matchent bien ensemble. Ouais. bah Là, pour la petite histoire, c'était. Euh... Donc, premier confinement. Mm -hmm. euh, premier confinement. Donc, l'année dernière, je ne sais plus, c'était vers mars, je crois. Ouais. Et. Euh et je me suis dit en fait euh, j'avais je voyais beaucoup tu sais il y avait beaucoup d'illustrateurs qui faisaient des choses pour pour occuper les gens entre guillemets qui créaient des coloriages des choses comme ça mm -hmm. et parce que oui il y avait des gens enfin les qui bah ils s'emmerdaient un peu quoi et du coup je... <laughs> moi le premier ça a été ça a été compliqué au début et euh, je tournais un peu en rond et en fait je me suis dit mais tiens euh, quitte à quitte à ne pas trop savoir quoi faire j'ai en... envie de proposer quelque chose et, euh et euh, je me suis dit, bah je vais je vais proposer un petit un petit papercraft d'une bande d'arcade et mm. cette bande d'arcade euh, je me suis il fallait quelque chose en fait la contrainte était toute simple c'était de se dire il faut quelque chose que les gens puissent faire facilement chez eux mm. s'ils ont un papier et une imprimante ça à peu à peu près ça pouvait le faire et l'idée est partie de là et en fait je me suis amusé à faire ça et j'ai pris un plaisir incroyable à préparer <laughs> le patron tout ça parce que du coup j'en ai profité même le patron pour faire quelque chose d'un petit peu graphique où tout puis se s'arrange correctement et, euh, et du coup en fait j'ai tellement aimé le faire que j'en ai fait trois je me suis dit, autant faire une petite euh, faire une petite série parce qu'en plus je recevais des retours qui me disaient ah il y en a pas une autre qui arrive et, et du coup voilà. tu es devenu euh, vendeur de bornes d'arcade exactement <laughs> non heureusement je ai, elles sont toutes en accès libre euh, je les ai mises euh, gratuitement sur mon sur mon site web donc tout le monde pouvait les télécharger et euh, et j'étais très content parce que ça a bien marché ça a bien tourné et euh, si je me dis, ça a pu distraire et ça a pu en plus faire un petit objet, tu sais, euh, qui représentait mon travail, mais que les gens, ils, même s'ils n'ont pas forcément les moyens de commander une affiche, tout ça, mmh. bah je me suis dit, bah c'est trop cool, comme ça ils peuvent avoir quelque chose chez eux et ça leur fait un petit, euh, un petit souvenir. Oui, carrément. C'est euh, voilà. ouais, vraiment très classe. Hein. Et je n'avais pas fait gaffe qu'elles étaient en complet, en libre sur le site. Euh, je, pense, je pense que je prendrai quelques, un peu de temps pour faire la version, euh, la version 3D de ça. <laughs> Je, peux, je te montrerai ça. Euh, parce que ouais, la, la semaine dernière, on a fait une session sur Dimension, sur la 3D à partir d'éléments Photoshop, Illustrator et tout. Et derrière, tu peux partir en réalité augmentée. Donc, excellent. Euh, ouais, ouais, tu vas voir, avec un, avec un élément comme ça, ça va être assez cool. Ah ouais, j'avoue, oui. J'y je, 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 pas on, pensé. On en reparle très vite, t'inquiète. <laughs> <laughs> Pierre trouve que c'est trop classe comme objet. Stella trouve que c'est excellent. Tiffany vote pour une masterclass. À quand une masterclass PM bah, On y est en fait, oui. On avait dit qu'on allait commencer, mais c'est vrai que comme s'est un peu perdu sur la partie euh, connexion, on a, on a eu le temps de regarder la télé, ça c'était bien. Mais euh... <laughs> oui, Le... puis euh, la masterclass, je vais dire Twitch, euh, j'y suis régulièrement. C'est ça. Ouais, toi, tu as, as une, toi, tu as une chaîne Twitch. C'est De toute quoi. façon, quand on te cherche. Hein. Oui, c'est ça. Mm. Twitch euh, slash PM, comme ça écrit et, et j'essaye de live, euh, j'essaie de live toutes les semaines, mais c'est pas. En ce moment, je suis moins régulier, mais sinon, il y a des périodes où oui, j'en faisais presque tous les jours. Mm. Mm. D'accord. Pm Twitch, twitch.tv slash PM écoute, je vais envoyer les gens là-bas, ils pourront aller euh, jeter un œil. Euh, hop, le suivre sur Twitch. Je fais toujours un joli message comme ça, les gens sont pas perdus. <laughs> On essaye de faire ça. Et pour si jamais vous avez raté les liens dans le chat, je vous remettrai le, je vous remettrai le lien du Discord à la fin, sur lequel je poste tout au fur et à mesure. Ça vous pourrait compléter. Euh, Amine Djibari nous demande est-ce que c'est important d'être aussi excellent au dessin pour devenir un graphiste euh... En fait, d'être bon dans les deux, quoi. C'est mm -hmm. ça ouais. euh... Non, je pense. Non, enfin, je perçois moi, je, j'ai je... des lacunes dans les deux. Enfin, hein. faut pas. <laughs> je me débrouille, <laughs> mais, euh... mais en, en vrai, c'est juste. En fait, c'est juste qu'il faut réussir à présenter les choses de façon. Euh, intelligente dans le sens où il faut pas euh, se surestimer sur euh, euh, il faut tester tout le temps et il faut essayer de présenter des choses nouvelles euh, qui te poussent dans tes retranchements mais il faut pas non plus aller vers des choses où tu, tu vas complètement te cracher enfin moi je pense quelque part et, et c'est ce que j'essaye de présenter dans mon travail c'est que j'essaye de montrer ce que je sais faire de mieux je vais pas aller faire du des va dire des illustrations euh, 2D euh, de très très graphique avec des formes très simples faites sur Illustrator etc parce que c'est pas du tout comme ça que je travaille c'est pas ce que je sais faire à la base donc euh, euh, oui, faut que ça suit d'ailleurs ça me fait penser euh, une des questions que je t'ai posées au début c'est euh, mais alors du coup comment tu passes d'illustrator à Photoshop et ta réponse ça a été je pas ne de... passe pas <rire> <rire> pas Illustrator en fait <laughs> non 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 tout dans Photoshop toujours tout dans, tout dans Photoshop donc les dessins à la main euh, le passage dans Photoshop pour toute la partie euh... Ancrage couleur. Est-ce que tu nous montrerais ça Est-ce que tu nous, tu nous emmènes Si on a fait le tour, du bien moment, sûr. Chuck, voilà. Bienvenue dans Photoshop et Joyeux Noël. Voilà. Retour <laughs> <Voilà. rire> en arrière. On va y raconte-nous. Donc ça c'est ça c'est ton Daruma. Alors, Alors, je, je, je ouais. note qu est, que les yeux sont peints. Bravo. Oui. Ton les vœux, vœux, tous les euh, vœux. Tous les yeux. Exactement, tous les vœux se sont réalisés, c'est incroyable, ma vie est pleine de, de, de chance. Non, euh, c'était, bien sûr, c'est pour personnifier un petit peu les personnages. Et euh, du coup, c'est une petite carte, euh, petite carte, une Christmas card, une petite carte de vœux, euh, que j'ai réalisée euh, pour, pour mon shop euh, l'année dernière, quand les gens passaient une commande. En fait, tout le mois de décembre, en gros, quand les gens passaient une commande, ils recevaient en plus cette petite carte. Euh, avec les petits stickers habituels, mais là, c'était histoire de proposer quelque chose d'un peu limité dans le temps et, et qui, qui faisait plaisir. Parce que, comme beaucoup de gens, en plus, faisaient des cadeaux, euh, s'offraient des affiches, par exemple, et eh bien, ça permettait de rajouter un petit quelque chose et ils pouvaient rajouter un mot derrière. Mmh. Donc, par exemple, pour cette illustration, euh, typiquement, on est vraiment sur une illustration, tu vois, qui est très simple, qui est, qui est vraiment, euh, j'ai envie de dire, qui est basique, euh, parce que tu as un texte. Une, un petit dessin et on va dire un espèce de petit logo et euh, le process quand je fais ce genre de dessin c'est toujours le même en gros c'était j'avais envie de faire une, une une carte de vœux et donc pour ça euh, j'ai commencé avec le petit euh, le petit texte toujours en fait je pose souvent mon texte d'abord comme ça ça permet de dire euh, de donner le sens de lecture de l'image tout simplement comme ça je, je sais que bon voilà le, ça c'est la thématique mon texte il est à peu près là euh, et on sait, on sait à vers quoi avancer. Je mets souvent aussi mon petit logo, ça dépend. Je bouge beaucoup hein, quand je prépare mes, mes fichiers. Donc, au début, tu vois, il pouvait être là ou ici, comme euh, de façon traditionnelle dans, des, dans une publicité, par exemple, pour mm -hmm. avoir une lecture en diagonale. Mais euh, il s'est retrouvé ici à la fin, ça dépend de, du dessin. Et du coup, pour euh, les petits personnages, euh, bah là, ça vient tout simplement d'un, euh, comment dire? À, en fait, c'est à force de, de tâter, là, tu vois, pour, euh, par exemple, pour ce dessin ici. C'était dans un live Twitch, et euh, je, faisais, euh, je, faisais, euh, je faisais une petite carte. Euh, je ne sais pas si tu avais vu dans mes dessins, j'ai fait un espèce de poster avec des tatouages japonais. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était euh, d'en faire pareil, mais dans une version Noël. <coughs> du sketch euh, à la va-vite, et en gros, euh, je trouve des idées... Et... Et si je peux pas les utiliser pour la planche tatou en question, je les réutilise ailleurs. Et en gros, l'idée, je me suis dit, bah, vas-y, Daruma. En fait, c'est un jeu de mots, quoi. T'as le ou dedans. Du coup, on s'est mmh. dit, ah vas-y, on va faire un Daruma. Et euh, et euh, et avec une, une, une feuille de ou, tu vois. C'est vraiment parti, c'est vraiment parti de là, à la base. Ouais, alors je l'ai pas vu venir. <laughs> ouais, c'est parce que c'est peut-être pas terrible, ouais. <laughs> mais euh... Alors, il y a peut-être ça, mais non, je pense que juste j'étais pas prêt, tu vois. Les, les, les jeux de mots franco-japonais, je, je fais gaffe. <rire> <rire> Et euh... donc, euh, tout a... ça a commencé comme ça, en gros. Mmh. Et euh... tac, je fais les petits yeux. Ça, c'est la fatigue, les petits yeux. Ouais, on va dire ça comme ça. <laughs> Voilà, comme ça, on reconnaît un petit peu. Et donc, en fait, je commence comme ça. Je fais toujours mon petit line art. Je fais mes... je fais mon dessin au trait noir, en gros. Je pose mes, je pose tous mes traits, tout ça. Donc là, on est sur le sketch, bien sûr. Mais en gros, euh, ça se présente comme ça. Une fois que ça s'est fait, je passe à ma version euh, qui n'est pas colorisée, qui, re... qui euh, correspond à ça à peu près. Donc là, tu vois que j'ai un espèce de petit traitement sur. Euh... Euh, tout tout mon tout mon line art tu vois c'est un peu tremblotant c'est un peu il y a un espèce d'effet un peu impression euh, vintage donc là mmh. c'est euh, euh, exactement comme les textures que j'utilise euh, textures papier qui, euh, qui sont par dessus en produit ici c'est euh, euh, ça vient de chez Trugrid Texture supply que tu dois connaître mmh, oui, et, qui, et qui est un on va dire euh, euh, le site euh, qui, qui fait euh, tous les outils euh, vintage de texturing euh, d'action Photoshop euh, le, plus, le plus au point je pense les plus qualitatives mmh. en tout cas okay. je leur fais la pub parce que je les adore et... <laughs> ouais, moi, moi je fais régulièrement la retape pour, euh, pour Kyle Webster parce que euh, il est directement dans Photoshop <laughs> et euh, ça, ça simplifie la vie aussi des gens qui n'ont pas forcément l'occasion euh, d'aller jusque Troubridge par contre une fois que vous êtes euh, une fois que vous commencez à faire des recherches dans votre navigateur, de brosse Photoshop, de brosse Vintage et autres, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des pubs pour TrueGrit très vite parce qu'ils ont ils ont bien joué le, le truc. Ah ils sont très forts. Hein. Ah, ils sont ils sont très très bons, ouais, c'est clair. Et donc tu fais du coloriage. Et donc voilà. Et en gros c'est ça euh, mon métier, c'est de une fois que j'ai fait mes traits, je, je colorie, je remplis. Alors ça dépend suivant le. Du, ça dépend du process suivant le, la complexité de l'image, mais tu vois, on est sur un truc très simple, donc quand c'est comme ça, en vrai, je me fais plaisir et je, je fais tout euh, à la mano de façon tra très traditionnelle, mais sinon, quand je fais des dessins de ville, truc comme ça, je t'avoue, je prends l'outil sélection et je fais bim, 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 et euh, on perd pas de temps parce que c'est chiant, quoi. C'est mmh, 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 <laughs> clair. <rire> donc, tu vois, par exemple, là, j'ai fait ça. Ouais. Donc, pour retrouver tout de suite le côté euh, le côté euh, sérigraphie très rapidement, en fait, euh, ce que je fais, c'est que je me mets sur V, donc en mode déplacement, J'appuie sur Shift, Flèche, hop, je le déplace d'un cran. Déjà, tu as le petit côté comme mmh. si ça avait bavé et que ça. Et mmh. comme si la machine, tu sais, qui n'est pas bien calibrée, hop, elle ça, avait posé comme un si petit. ton opérateur de sérigraphie méritait de se faire virer. Exactement. Et ben bah, moi, quand ils me font ça, je leur dis merci, les gars, c'est encore plus authentique. <laughs> et euh, je fais ça. Et une fois que ça c'est fait, je vais dans mmh. mes petites actions, tu vois, que j'ai ici. Alors, j'en ai pas, j'en utilise pas des masses non plus, hein, parce que, en vrai, je reviens souvent sur les mêmes. Et là, mmh. par exemple, euh, je vais utiliser une small reduce details je suis sur mon calque j'ai juste à faire OK tac alors par contre moi mon action elle s'arrête en cours de route donc faut appuyer okay. et donc là c'est bon et là je resélectionne en fait ma couleur parce qu'il faut juste ça te met en noir automatiquement et là tout de suite en fait tu as tes contours qui sont devenus un peu qui sont venus être un petit peu égratigné quoi mmh. Et c'est comme ça qu'on retrouve cette espèce de. Tu tu bah, la texture de papier sans te galérer à la. À la Exactement. Mmh. Ouais, c'est ça. Et alors après, souvent, euh, quand tu vois, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, quand j'ai besoin de faire bouger un petit peu ça, euh, ce que je fais souvent, c'est que. Donc je pixelise, je tu vois, mon petit calque. Donc là, c'est bon, je l'ai pixelisé. Je me fais un autre calque. Je me fais un rectangle, un rectangle blanc euh, derrière. Tac. Voilà. Je fusionne les deux, donc le truc vert et mon petit blanc. Et là, je lui mets un petit coup de flou, tu vois, pour faire bouger un peu encore mais euh, mon contour. Et là, je remets un coup de seuil. Et comme ça, quand je suis avec mon seuil et que c'est un peu flou, et bah, je peux jouer sur cette espèce, tu vois, de euh, bah, vraiment de côté ancre qui bave, quoi. Mmh, 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 et là, je peux jouer comme ça également euh, là-dessus. Et donc là, une fois que ça s'est fait, et ben bah, je peux ré réutiliser l'action, par exemple, si j'ai encore besoin de ramener ce côté-là. Euh, je remets de la couleur forcément. Alors, pardon, oui, j'ai oublié de, de faire ma petite, sé... ma petite sélection. Euh... Tou toujours sélectionner, De toute façon, ça c'est le nerf de la guerre dans Photoshop, la sélection avant tout. Ouais, bah là ça se voit bien. Tac. Hop, et là on peut le repasser en dans le vert euh... comme c'était au début. Et là c'est bon, on a notre truc, c'est propre et tout. Et on a ce petit côté, tu vois, euh, même si tu... Ce qui est bien, c'est que ça permet même, si tu as envie de colorier à l'arrache et que tu sais que tu es à la fin, tu vas arriver à ce résultat-là, eh ben, ça permet de pas se prendre la tête et d'aller chercher te... ta peinture et de vraiment aller vraiment dans tous les gros coins. C'est assez, euh... assez pratique, ça a un petit côté euh, qui fonctionne toujours. Et euh... et bah, c'est rapide quoi, au final quand tu prends le. Ouais, Carrément, carrément. Moi, je sais qu'il y a Stéphane Baril qui, qui travaille maintenant chez, chez Adobe France, qui a fait toute une série de, de, de scripts d'action euh, pour automatiser justement tous les process, tu sais, de sélection, agrandir de 2, 3 pixels et faire un remplissage avec la couleur que tu as au premier plan. Et il en a fait plein des comme ça et c'est juste de la pure folie parce que ça permet, euh, lui, il l'avait envisagé au départ pour de l'animation où tu sais que là c'est pas une image que tu vas faire, c'est une image euh, tous les 1/24e de seconde. Ouais. Et du coup tu as intérêt d'avoir un process qui se réplique le plus vite possible. C'est clair. Euh, et c'est ça s'appelle euh, Anime couleur et c'était disponible dans les extensions Photoshop. En tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Non, mais il est Ouais, cool, moi je veux bien de... le je veux bien le petit lien. Euh... Tu veux bien le petit ça. lien mais écoute, je vais le mettre tout à l'heure dans le Super. Dans, le, dans le Discord, et je te refilerai le lien du Discord. J'ai vu qu'on avait des gens qui avaient cliqué sur le Discord pendant le live. Bienvenue. Vous êtes, les, vous êtes les bienvenus, les nouveaux aussi. On vous aime bien et on peut échanger avec vous après. Ça, c'est pratique. <rire> <rire> très bien, très bien. Alors, vas-y, continue. continue de nous guider un petit peu sur Stylus. Euh, et donc, donc on... euh, bah, en fait, celle-là, tu vois, elle est à peu près finie parce qu'au final, j'ai juste euh, dupliqué mon petit aroma derrière. J'en ai, ai fait une petite compo qui fonctionnait ensemble. Euh, c'est juste que, à la rigueur, ce que je peux préciser, c'est que, par exemple, tu vois, là, le petit pattern que tu c'est pareil, ça vient de. C'est un pattern euh, truc-grit, et quand je fais ça, souvent, tu vois, je garde mon calque, je me mets en masque de fusion, je vais chercher un brush ou... avec lequel je peux jouer. Là, par exemple, tu vois, je sais pas, on peut prendre un truc, une espèce de forme de craquement, et tu vois, tac, tout de suite. Oui, du coup, ça te, permet, ça te permet de choisir aussi dans certains. Dans certains cas, comment tu vas, euh, comment tu vas alléger la quantité de couleurs sur ta page Exactement. Mmh. Ça me permet de balancer euh, tout ça en fait. Et mmh. euh, ouais, je me sers beaucoup des broches hein, comme ça qui sont déjà euh, prêtes euh, pour faire du travail un peu graphique euh, avec des patterns, ce genre de choses. Mmh. Et ça marche super bien. Ça marche vraiment, vraiment bien. Okay, J'étais en train de penser à un truc, mais j'ai perdu l'idée. Euh... J'ai perdu l'idée au passage, donc tant pis pour moi. Euh, si, sur les brosses, je ne sais pas si tu as fait gaffe, dans les dernières versions de Photoshop, quand tu as plein de brosses, maintenant tu peux les rechercher par un nom. Et ça, c'est cool. Ah ouais. oui La et petite. Ouais, et ouais, et ouais. Ah la vache Est-ce que tu l'avais vu Non <laughs> C'est trop bien Ah, le nombre de fois où j'y ai pensé, oui, en me disant Putain, ce serait bien que ça soit comme les polices d'écriture et qu'on puisse. Euh, s... aller chercher un truc. Ah ouais et ouais, très, très et ouais. Et ce qui fait que du coup, si t'as euh, si nommé, si nommé des éléments que tu utilises de manière répétée, des textures, des pinceaux, des couleurs, des motifs, tout ce qu'il y a dans Photoshop maintenant, les panneaux sont. Euh, enfin, on peut rechercher dedans. Ah ouais, non, mais c'est trop bien. C'est quand même gagner du temps. Si tu connais un petit peu les refs, euh, mmh. c'est sympa, ouais, c'est clair. Il ouais, y, euh, y, y a Philippe ouais. qui nous dit c'est mieux quand ça déborde, comme ça on voit pas que c'est fait par ordinateur. Ouais, alors il y a toujours ce côté-là que j'aime bien euh, essayer d'avoir dans mes dessins, c'est euh, essayer de tromper l'œil et si possible s'en rapprocher le plus du, du côté traditionnel, euh, sans qu'on on comprenne en fait que ça soit fait avec un logiciel. Parce mmh. que c'est vrai que les gens qui ne conna... qui savent pas de Photoshop, qui ne connaissent pas trop ces logiciels-là. En général, il y... y en a beaucoup qui se font avoir. Donc ça, c'est cool. <laughs> le, la mission est remplie quand c'est comme mmh. ça en général et c'est plutôt pas mal. Euh, je vois... Oui, on m'a demandé le lien, les liens pour les, les extensions de Stéphane. Je vais vous donner directement tous ces liens. Sur son MyPortfolio, il y a tous les liens de ses... Euh, vous irez chercher, vous irez creuser un petit peu notamment des, des animes dessins animes couleurs etc qui sont des palettes pour moi qui sont devenus indispensables toi tout ce que tu as fait tout ce que tu nous as montré sur les deux vidéos Metro et Sony c'était oui. euh, du After Effects dessus ou c'était du Photoshop qu'on anime euh, l'animation c'était After Effects parce que tu vois par exemple l'animation de pluie tout ça c'est des trucs euh, After Effects euh, c'est les, les les trucs basiques je veux dire tout à fait mais en tout cas, vous regarderez ceux qui veulent se lancer dans l'animation sans trop se galérer, parce que vous connaissez bien Photoshop, parce que vous avez en main votre WaCom, vos pinceaux, vos brosses et tout. Euh, jetez un œil de ce côté-là. Et alors, je vois que tu nous emmènes complètement ailleurs. Et là, ouais. on, est, on est encore au Japon ou pas là Alors là, on n'est plus du tout au Japon. Là, on est de retour euh, en France, mais avec une, une petite vibe californienne, on va dire. Euh, donc ça, c'est une commande pour euh, la chaîne de resto. Euh, de Paris-New York, pny et, euh, qui sont à Paris, ils ont plusieurs restaurants à Paris, et en gros, j'ai eu, euh, ils m'ont contacté l'année dernière, et l'idée, c'était de, de faire euh, une illustration euh, reprenant l'atmosphère, euh, mais de façon un peu exacerbée, de chaque restaurant. Donc en gros, c'était de dire, euh, ils ont plusieurs atmosphères chaque fois dans des restaurants, t en as un qui va être un peu plus euh, euh, industriel, tu vas en avoir un qui va être plus porté sur des textures euh, avec du bois, des, beaux, des belles matières, et as celui-là qui est avec des côtés très... Euh, euh, bah, très euh, diner, mais euh, avec beaucoup de matériaux comme euh, de l'alu, du métal, des choses comme ça. Et, euh, et donc voilà. Et euh, donc, ça, c'est une autre illustration. On va dire, euh, c'est un peu les deux, grands, les deux grandes directions que j'ai dans mes dessins. C'est euh, d'un côté, tu as le truc vintage, très euh, euh, très efficace, on va dire, très limité en couleur, etc. Mmh. Et de l'autre, tu as ce, ce genre d'illustration-là que je fais depuis pas très longtemps, euh, où c'est beaucoup plus recherché dans la colorimétrie. Et, euh, et la colorimétrie ouais parce que j'allais dire la composition mais non pas tant, pas tant que ça au final mais euh, dans les couleurs par exemple pour ces travaux là je m'applique beaucoup plus et euh, et donc voilà donc là tu peux voir tous mes petits calques <rire> qui, <rire> qui sont, sont qui sont extrêmement bien rangés qui sont rangés par couleur aussi euh, ouais toujours ouais. <laughs> alors est-ce que tu les ranges par couleur juste parce que ça fait joli à l'écran ou est-ce que tu vas rechercher justement un peu comme on vient de le faire avec les pinceaux tu vas rechercher genre afficher que les calques orange que les calques bleus et tout ah, alors je me sers pas du tout de ces fonctions-là, je savais même pas qu'on pouvait. <laughs> regarde bien ton panneau, ton panneau calque, regarde en haut. Tu vas voir, tout se trouve là. Là, Et euh... là où tu as type, tu peux, chercher, tu peux chercher, non pas par type de calque par exemple, mais par couleur. Et si tu as l'habitude de les ranger, là c'est par défaut, c'est tous les calques qui sont pas colorés que tu as sélectionnés. Vas-y, regarde. Remets, remets couleur, tu vois. Type. Excellent. Couleur. Et là, pour l'instant, il est sur 100 couleurs. Oh la vache. T'as pas de calques rouges, par contre t'as des calques violets. T'as des. Calques... Oh ouais. Ah mais tu sais que parce que du coup oui, je m'impose une espèce de rigueur. Enfin, une... tu sais une espèce de nomenclature dans tous mes fichiers. Mm -hmm. Comme ça, je sais toujours à peu près à quoi correspond, ça correspond. Et, euh... Et en l'occurrence, par exemple, tu as toutes mes ombres, c'est toujours ouais. des calques violets. Donc, mais, euh... tu vois ben Comme ça, tu pourras les récupérer. Et si tu, si tu préfères travailler non pas par couleur, mais par nom de calque, par style de calque, par type de calque aussi, c'est-à-dire, genre, tu veux récupérer que les calques, de les masques de fusion, que les calques avec la typo, que les calques avec euh, un effet particulier, tu peux les retrouver directement là. D'accord ouais, C'est trop bien ouais. <laughs> J'avais dit qu'on allait bien échanger des trucs. Une ah chose. oui, mais moi, de toute façon, je connais pas 10 000 trucs en fait, c'est vraiment, je connais des choses. Euh... Quelques trucs que j'utilise tout le temps et je suis pas je suis pas vraiment je suis pas expert quoi du tout t'inquiète y a pas il de... y, a, y a aucun il n'y a aucune demande d'expertise quand je reçois les gens parce que je sais que vous vous avez un process qui fait que vous arrivez au bout de vos images et ça, c'est un truc, oui. euh, voilà, moi je ne me pose pas sur la partie arriver au bout des choses. C'est pour ça qu'on fait des lives en direct et qu'on arrive à rebondir, euh, même quand la connexion est pas d'accord. <laughs> <laughs> Mais par contre, sur tout le, sur tout le reste, ouais, on essayait de faire gagner du temps parce que, bah, tu vois, là, quand je t'ai montré la recherche des pinceaux, tu as fait, ouais, ça c'est trop cool. Et, euh, et c'est des petits trucs comme ça, c'est des petits détails qui font que bah, ouais, Photoshop, ça reste quand même un gros outil, un gros jouet hein, bien, bien efficace. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Camille C est, très est bon ravie d'en apprendre tous les jours. Ce genre de petits ajouts, ça donne le smile. Ouais. Et Yves attendait plutôt la pin-up sur un tabouret. Ah <laughs> Non, je suis pas dans ce. <laughs> je suis pas du tout ce genre de dessin. C'est ça. Il faudra retourner manger chez PNY et réclamer que leurs prochaines illustrations soient comme ça. Mais bonne chance. <laughs> Donc, euh voilà donc aujourd'hui tu vois je suis plutôt dans ce on va dire dans mes commandes de d'illustration plus plus euh, plus développées plus détaillées qui vont plus loin dans les ambiances dans les couleurs euh, c'est un peu le genre de travail que je fais aujourd'hui et c'est un process que je ne faisais pas du tout avant euh, avant en fait j'étais très 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 graphique dans le sens où quand je faisais des ombrages des choses comme ça j'utilisais de la trame en fait mm -hmm. j'utilisais des des petits points comme dans les mangas pour ceux qui, qui connaissent et euh, Maintenant, j je, je vais un peu plus loin et par exemple euh, quand je fais des ombrages maintenant, tu vois, j'ai un calque que je mets je remplis euh, tout l'espace. Tac. Alors, attends. Je juste Voilà, je fais ça en gros. Mm -hmm. Je mets une couleur en général, je mets par exemple bleu, ça peut être un bleu, euh, souvent je mets, je peux mettre un bleu assez flashy parce que c'est assez intéressant hein, par rapport aux couleurs que ça fait ressortir. Et euh, je pixelise, je passe en produit tout ça, je réduis un petit peu l'opacité, normal. Tac, voilà, ça donne tout de suite, tu vois, une vibe cyberpunk. Et après, comme euh, tout à l'heure, c'est euh, j'utilise. On retrouve le néo-Tokyo tout à l'heure en termes de, de gamme. Ouais, bah c'est exactement ça. Et euh, du coup, je travaille beaucoup comme ça aujourd'hui. C'est euh, mon ombrage, je vais me donner un peu l'atmosphère directement. Et après, je travaille en masque de fusion euh, suivant là où j'ai envie d'enlever de, euh, euh, mes couleurs, euh, tout ça et aujourd'hui du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré dans le process euh, que je faisais pas du tout avant donc ça me permet d'aller plus loin dans mes, dans mes ombrages euh, et de, ouais, de proposer des, bah, plusieurs, euh, tu vois, des esthétiques plus, plus poussées, plus, plus recherchées Camille nous redemande combien d'années d'expérience en dessin animation c'était 6 ans c'est ça euh, c'est ça ouais Charles est content de voir à la fois tes compétences hyper les compétences hyper spécifiques de PM et euh, customisées par euh, par les trucs et astuces. <laughs> <laughs> c'est clair, c'est totalement ça. Ouais, du coup, ça marche bien. Du coup, t'as plus qu'à faire euh, des bouts de sélection dessus et rattraper les morceaux qui euh, les morceaux est ça. qui manquent. C'est ça. Et euh... ouais, donc euh, voilà. Tu vois là pour ce genre de dessin, c'était euh beaucoup à la mano, mais c'est vrai que dès que je suis sur des, plus de l'architecture et beaucoup d'éléments rectangulaires, tout ça, c'est que, de que des grosses sélections mmh. euh, D'ailleurs les... euh, tu parles de, de, de grosses sélections, est-ce que j'en vois pas sur ton dessin, mais peut-être que tu le fais aussi, t'as vu qu'on pouvait mettre des masques de fusion sur des groupes Oui, Ah oui, ouais. oui c'est un, okay. un truc que je fais, euh, oui oui tout à fait J'essaye de voir s'il n'y a pas des trucs, genre, tu, genre, on passe à côté, parce que ça fait, ça doit faire 2-3 ans qu'ils ont rajouté ça. Et ouais, tu coup, vois. C'est devenu primordial. Ah oui, très bien. Tu vois, j'étais euh... à l'endroit où j'en voyais pas et je me disais si ça se trouve. Tu vois, par exemple, typiquement pour les, ces trois néons qui sont derrière là, en fait, mmh. c'est le même que j'ai répliqué trois fois et j'ai changé une lettre dessus. Euh, comme j'avais mon premier plan qui était ici. Comme je te disais tout à l'heure, comme dans cette logique d'animation, si des fois qu'il faut faire un truc, faire mmh. en passer un élément qui passe derrière la table, et ben comme ça, c'est tout prêt. Et là, j'ai mon masque de fusion qui est déjà prêt, comme ça, euh, ouais, si j'ai pas besoin de, de gérer un, un parallaxe dessus et de faire allumer les néons et clignoter dans After. Ça prend 30 secondes. Exactement. Ça m'empêche. Ça m'empêche. Euh, euh... bah, j'ai plus besoin de refaire un, un masque euh, mmh. directement ouais, dans After qui, départ, qui prend une éternité. Ouais. ouais, puis ça pas, ça t'a pas pris plus de temps à la couleur au départ. Au contraire. Non, non, non. Tu gagnes sur tout le process, tu gagnes du temps sur tout le process derrière à faire ça, donc euh, c'est donc, euh, bien. Et c'est toujours important, toujours dans cette démarche, de euh, répondre à la demande d'un client, parce que le client, il change d'avis de temps en temps, et ça, on ne le connaît que trop bien euh... <laughs> et après quelques expériences au début. C'est ça, mais il faut forcément se faire un peu les dents là-dessus. C'est-à-dire, tu as ton envie de départ en tant qu'illustrateur, et puis tu as le client qui dit, ouais, mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin Merci. maintenant de ça et en plus euh, j'ai la nouvelle idée géniale et il va falloir euh, la traiter le plus vite possible. Ouais, c'est exactement ça. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je vois bien. Je vois tout à fait. Euh, donc voilà. Et si tu veux, je peux te montrer très brièvement euh, un peu les process que j'ai par exemple avec ce client. Euh... Donc euh, je suis sur donc en fait je suis passé mes travaux là tu vois ça se fait sur des références de photos. D'accord. Ouais. Et euh, et en fait euh, comme littéralement ce client là il a besoin que je redessine ses restos de A à Z mais que euh, j'aille plus loin dans l'ambiance et dans l'esthétique à chaque fois eh ben je repars d'une référence photographique qui m'envoie et euh, à partir de là je propose un petit croquis tu vois par dessus euh, très très succinct pour dire bah ben, voilà en gros ce que je compte ramener dans le dessin pour euh, pour amener l'ambiance, l'atmosphère que, que le client il souhaite. Mmh, es et... ça, être sûr qu'il a les éléments dont il a besoin, parce qu'il peut y aussi y avoir des trucs. Est-ce que ça arrive que qu'il euh, te demande justement d'anticiper une, une modification de vitrine, de façade et autres, et qui te dise, ah, tiens, au fait, on va rajouter tel néon, on va rajouter telle table ou autre Bah oui, mmh. euh, ça arrive tout le temps, surtout quand tu, dès que tu fais des dessins ou tu as un petit peu de, euh, as un peu de matière, tu as un petit peu de détail tout De suite, il y a des références que eux aussi se disent Ah, ça aussi, j'aimerais bien le caler. Mm -hmm. Il y a ce DJ là, par exemple, qui a joué à une soirée dans ce bar là et qui a mis un sticker sur tel panneau. Est-ce que tu peux le mettre <laughs> que... Typiquement, ouais, sur l'une des illustrations, ça m'est arrivé. J'avais mis 10 stickers au hasard, juste comme ça, comme je suis habituellement en administration. Et ils m'ont dit Ah, tiens, on va t'en envoyer. Euh, C'est des vrais trucs et tout. Ça s'est passé. <laughs> Trop bien. <laughs> ce sont les vrais stickers. Si tu pouvais les faire en tout petit, 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 s'il te plaît, mais qu'on les voit quand même ouais c'est exactement ça alors quand c'est comme ça euh, c'est pareil c'est un petit peu le même process que je t'ai montré tout à l'heure quand je travaillais sur les daruma c'est euh, je ne m'embête pas à les redessiner quand c'est vraiment tout petit c'est euh, tu vois par exemple cette illustration là mm -hmm. euh, je, je ramène l'image je lui mets un petit coup de seuil euh, et je comment dire je mets je choisis après par plage de couleurs euh, selon le logo tout ça et euh, je mets euh, je mets des couleurs adaptées selon l'illustration en fait mm -hmm. Euh, Pierre Minier nous demande est-ce que tu nous ferais un petit, une petite review des Easter eggs qui peut y avoir dans tes illustrations Waouh, il y en a beaucoup. <laughs> euh, il Doit y en avoir beaucoup parce que bon dans ceux-là tu vois il y en a un petit peu moins mais euh, euh, par exemple dans cette illustration là euh, tout bêtement je fais c'est une dédicace à mes potes euh, il y a toujours ce, ce truc du O5K qui revient mm -hmm. que je cale souvent dans mes c'est juste mon groupe de potes avec qui j'ai fait mes études. Et, euh, et c'est devenu mon socle d'amis euh, très 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 proche quoi. Mm -hmm. Et j'essaye toujours de caler euh, des petits trams, des petites ref, euh, euh Tu vois, bah je mets toujours mon nom forcément parce que j'aime pas, tu sais, j'aime pas signer en bas à droite d'un dessin euh, mm -hmm. façon classique parce que je trouve que souvent ça peut entacher l'immersion. Euh, dans un... mm. Ouais, ça peut faire un déséquilibre de lecture d'image, ça peut entacher l'immersion. Et du coup, j'aime bien essayer de caler mon blast dans un stickers, dans un euh, quelque part ailleurs tu vois et à chaque fois c'est euh, j'essaye toujours de refaire des refs à des trucs tu vois là c'est un truc qui se passe à Citadium donc je, euh, je reparle de Citadium euh, le, petit, euh, le petit drapeau triangulaire qui peut faire référence aux équipes euh, de, de baseball américaines des trucs comme ça tu vois j'essaie toujours de... Ouais, de, 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 de mettre un peu de la ref de, mettre de, de, de rendre vivant euh, il ouais. une illustration euh, une illustration au trait au line qui est pas forcément enfin pour lequel c'est pas forcément simple de se plonger dedans euh, cool. ouais ex exactement exactement parce que moi mon plus ma anti c'est que on se lasse des illustrations très vite mm -hmm. et, et... et j'aime bien que on puisse y revenir souvent tu vois ouais. et se dire tiens il y avait un truc que j'avais pas vu et ça, ça c'est un, un truc qui me parle et j'aime bien... Euh, je sais que je me perds souvent moi dans les dessins quand je vois quelque chose de très détaillé. Donc euh, je me dis, c'est cool. Si les gens ils, ils aiment bien ça. prendre leur temps aussi... Ouais, si, si toi, ça te plaît de te perdre dans les dessins, euh, tu te dis que tu pas le seul aussi. Et qu'il y a d'autres gens ouais. qui vont kiffer à euh, aller chercher le petit détail, le petit, euh, le petit, le petit élément qui, qui manque. Question, est-ce que du, du coup, tu as déjà exposé tes, ton travail, tes illustres ou pas encore J'ai exposé mes illustrations... Euh pas mal de fois, mais c'était quand je faisais beaucoup des dessins sur papier. On va dire depuis que je fais du dessin digital, euh, du travail de commande client depuis deux ans, je n'ai pas refait. Moi, euh, ouais. bon, j'ai dû en faire euh, une par an, quoi, à tout péter C'était vraiment des trucs euh, euh, très succincts. C'était pas des rétrospectives qui reprennent des le du travail de l'année ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, ça viendra un de ces quatre. Euh, ça vient, soit aujourd'hui. D'accord. J'ai euh, Cédric qui nous demande une création comme ça, ça te prend combien de temps Le PNI le Paris-New York de tout à l'heure euh, hein, bah, pour... Ouais, bah pour ces dessins-là, on est à peu près, euh, je ne pas trop dire, mais on est entre 50 et 100 heures de taf. Mmh. Donc on est entre une semaine et deux semaines euh, étalées. Quoi. <coughs> Carrément. Donc là, tu vois pareil, les easter eggs, euh, ceux qui ont envie de zoomer très très fort sur l'ILU et d'aller voir les petits tags, il euh, y a plein de <rire> choses. <rire> Mais alors du coup, il faut avoir accès à la, la hot-dev et du coup, il faut aller directement dans le restaurant. Est-ce qu'il est qu les affiche d'ailleurs ou est-ce qu'il les utilise que pour la, la promo ils vont, ils vont s'en servir euh, également. C'est juste que pour moi, c'est encore tout récent. Tu vois, ils ont, je les avais pas encore toutes livrées, donc il mmh. euh, y en a qui vont arriver et qui seront utilisés pour de la carterie, pour les menus, des choses comme ça. Ouais. Euh, je sais qu'ils ont imprimé juste pour leur bureau parce qu'ils ont bien aimé. Ils ont mis dans leur bureau. Je me suis dit, ah, c'est cool, ça me plaît Et euh, peut-être qu'il y en aura un poster dans chaque resto. Euh, je me dis que oui, ce serait pas impossible. <coughs> On va voir le, le poster du resto, de l'autre resto de la chaîne pour rappeler aux gens qu'il n'y a pas qu'un endroit. Non, pour le moment, j'en ai fait même cinq ou six, mmh. euh, et il y en a encore trois à faire, tu vois. Ouais, donc ça, ça va, t'as encore un petit peu de marge là-dessus. Ouais. <laughs> Alors Charles nous abandonne, mais il nous dit encore bravo pour ton travail et ta bonne humeur. Merci beaucoup, Charles. <laughs> Alors, Laurent, Laurent nous demande un projet d'édition pour rassembler tous ces, toutes ces illustrations. Euh, ça va se faire, mais c'est pareil. Euh, L'édition, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais j'ai envie de faire ça en auto édition. Euh, je suis pas, j'apprécie, tu sais tous les systèmes, qui euh, bank bank, le crowdfunding, tout ça, mais j'ai pas envie de me lancer quelque chose là dedans. Je préfère euh, essayer de, bah, de, je sais pas, de. Je suis un peu vraiment dans le côté indépendant, tu vois. J'aime bien être, euh, faire tout, pas faire tout moi-même, mais essayer de gérer le maximum pour avoir une. Bah pour avoir tout simplement un suivi du début à la fin de la, on va dire, de la chaîne de production entre Le, guillemets. un euh, Creative Control. Ouais parce que tu as toujours des mauvaises surprises, tu as toujours des trucs qui vont pas et ça va venir, ça mmh. va peut-être venir bientôt, mais en gros, on va dire que dans l'immédiat, j'ai de quoi faire un, un petit bouquin, mais j'ai pas suffisamment pour faire euh, un faire une un, un, Ouais, non, par pour faire un produit, euh, un produit un peu épais, on va dire, un bouquin, assez mmh. sympa, euh, j'y suis pas encore quoi. Il euh, y, y a un truc qu'on a vu passer beaucoup avec les, les artistes qu'on a reçus là sur l'année la, sur dernière, sur, notamment sur ouais. Fresco, euh, c'est du uh, Drovic Senior style. Est-ce que c'est le genre de choses que tu as déjà vu passer de loin Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais en faire Est-ce que, est que des gens ont utilisé ou retravaillé à partir de tes illus Est-ce que tu vois passer ça euh... Je sais, je sais plus. Je crois que j'en avais fait un. Je ne me souviens plus, mais c'est pas trop des trucs que je fais, je t'avoue, parce que pour le coup, en fait, là, c'est vraiment une question où j'ai pas, j'ai pas le temps, quoi. C'est, je fais des travaux de commande et euh, qui me permettent d'alimenter mes réseaux sociaux, mais je fais pas, on va dire, du contenu exprès pour les réseaux sociaux, euh, ouais. parce que, Pff, ouais, non, pas le temps, en fait. Et puis, et puis, je t'avoue, en fait, ça m'intéresse même pas des bases de faire ça non plus c'est pas ouais, c'est pas dans la c'est pas la finalité du truc la finalité c'est pas le réseau c'est euh, d'abord ton travail et du coup tu peux le partager en, en parallèle ouais parce que enfin moi je mise vraiment toujours sur le c'est vraiment toujours de la vie enfin je vois toujours le truc euh, sur le long terme et je me dis toujours euh, si je fais des trucs et tout ça va être un cycle un moment ça va se lancer ça va ça va avancer et euh... et j'ai pas envie de enfin tu sais créer une audience pour créer une audience euh... mmh, mmh c'est vraiment j'ai envie de je sais pas j'ai envie que c'est mon travail qui soit fédérateur et qui derrière crée une audience oui. euh, même si ça se rejoint un petit peu au même mais j'ai pas envie que ce soit que penser pour ça quoi ouais, carrément. alors cette fois-ci c'est ambiance nuit ah c'est une autre ambiance ouais c'est une ambiance nuit plus euh, plus comment dire plus ambiance des îles on va dire, quelque chose comme ça un peu plus un petit peu plus exotique et ça, par exemple, c'est un restaurant. Euh, alors, c'est écrit Faubourg Saint- Antoine, mais c'est pas celui de Faubourg Saint- Antoine. Est, il est situé à rue de la Gaîté à Paris. Mm -hmm. Donc, euh, et c'était dans un ancien restaurant euh, complètement, enfin, euh, euh, très intéressant, très dans, dans le style de la rue justement, où t'as des choses euh, très excentriques. Euh, ça va du sex-shop mm -hmm. au, au cabaret, très, très vieux restaurant cabaret, euh, etc. Mm -hmm. ouais. euh, donc voilà, en gros, à peu près, tu vois, Pour PNY euh, ce que j'ai pu faire avec eux. Euh... Alors, on a des propositions. Il y a Greg qui nous dit, il pourrait même faire une carte de fidélité. Et au bout de tant de menus commandés, as une affiche offerte. Et elle serait top à collectionner. <laughs> je crois que c'est des choses aussi. C'est, je pense qu'ils, parce qu'ils sont, ils sont, très malins eux, en termes de marketing. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent quelque chose comme ça. <laughs> euh, c'est des illustrations qui sont aussi peut-être destinées à faire du, euh, des produits, euh, des produits dérivés. Tu vois, typiquement des t-shirts ou des des tote bags, ce genre de choses. Et ça pourrait, euh, ça pourrait arriver. Il y a Octo qui nous dit bravo mon PM. Robin Fouanet pareil, incroyable. Je, Allez, je, su, je suppose que les gens qui disent mon PM, ils te connaissent. Soit c'est qu'ils me connaissent ou qu'ils que... qu m'ont déjà vu. Ouais, ouais. ça, ou, oui, je <laughs> suppose qu'ils ont le droit, mais, mais voyons, jeunes gens. Exactement. <rire> <rire> non, non, très très bien. Et euh, Laurent nous dit, tiens, c'est d'ailleurs le, le projet d'édition, c'est ce qu'a fait Moon. Euh, qui a justement euh, fait un ouvrage comme ça. Il a fait euh, complètement son auto édition en amont. Il a et euh, il continue de faire bah, ses projets de petits de petits personnages en couleur obik et autres. Excellent. Moon, c'est qui c'est enfin, édité... Moon Mister Mixter. Ok. C'est un, ça... un fou furieux du, du dessin obik. Euh, je crois qu'il est Nantais, si je dis pas de bêtises. D'accord. Euh, je vais remettre son lien pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Alors, le problème, c'est que son URL, c'est une URL en. Comment on appelle ça en... en IPv6. Ah oui. Ah, du coup, tu peux pas la lire. C'est écrit XN, blablabla, parce qu'il y a deux trémas sur son nom. Ah, d'accord. Okay. Je trouve Moi, j ça très sympa. Ouais, J'ai l'Instagram, là. Ok. <laughs> Ouais, c'est assez, assez méchant euh, ce qu'il fait j'aime beaucoup et, et ça fait super longtemps qu'il qu travaille là dessus euh, Antoine ouais, effectivement dit, oui. tes, tes live Twitch sont tellement good vibe et, quali et qualitatif que la commu se fait d'elle-même <laughs> bah, c'est chouette bah ouais c'est bah, très cool parce qu'en vrai moi c'est tout ce que tout ce que je veux faire tu sais c'est en vrai moi le, mon inspiration dans la vie c'est si je peux donner euh si mes élus peuvent donner de la motivation à d'autres gens de, euh, de faire leur passion. Euh, pareil. En fait, c'est le show spirit, tu vois. C'est euh, la vibe de se donner à fond dans un truc, d'y croire et de, de, de se donner tous les moyens possibles et, et, de, se, et de pousser ses retranchements. Mm -hmm. Et si je peux donner un petit peu de ce côté, euh, euh, ah, c'est cool, tu me motives et tout, je suis trop content. Je te demande que ce sera un vrai mm -hmm. ouais, clair. Une... Ça, 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 ça se comprend et ça se voit. Et alors dis-moi, qu'est-ce qu'on voit sur ton écran ah, je t'ai mis une petite ilu euh, que j'ai faite euh, l'année dernière euh... <laughs> dans la douleur. <laughs> vous ouais. saurez, vous saurez reconnaître la marque, euh, euh, voilà, le groupe et du moins. Le, le, le groupe, PepsiCo. en tout cas, ouais. Ouais, tout à fait. Et euh, c'est une illustration que j'ai fait pour les bureaux de, de Pepsi mm -hmm. à Chicago l'année dernière. Et c'est juste une illustration que j'ai réalisée comme ça en digital. Après, ils, ont, ils font une impression, etc. Et ils, ils mettent ça. Euh, ils, vont, ils impriment ça sur papier peint, ils mettent ça dans le bureau. Quoi. Mais euh, donc voilà, c'est un, un gros projet que j'ai fait et c'était juste pour montrer que, euh, pareil, c'est encore, euh, tu vois, c'est un espèce d encore d'entre-deux où on est sur des couleurs très limitées. On n'a pas cette côté vintage avec les textures cette fois, mais on a toujours l'espèce de petite approche, euh, euh, un peu comme la sérigraphie, comme au début, mais avec quelques couleurs supplémentaires pour agrémenter, pour amener un petit peu plus de volume et de, et de différents plans, euh, de différents niveaux dans l'illustration. Et. Euh, et que, et que oui donc c'est un, un client euh, mmh. euh, j'étais très fier d'avoir au début et en fait quand j'ai vu toutes les contraintes euh, t as, t as les couleurs, marques Il ouais. euh, faut que cette bouteille là soit dans ce sens là il faut que tous les logos soient lisibles il faut que tu vois tu peux pas <laughs> utiliser n'importe quelle couleur pour tel truc euh, et t'as je... réussi à placer le Mountain Dew autrement qu'en vert bravo Ouais, bah oui, bah non, mais. Enfin... <laughs> Tr très compliqué. <laughs> non, c'était. Euh... Ouais, j'imagine bien les, les contraintes. Et ça, c'est le. Est-ce que c'est euh, très rare euh, comme client, justement, où tu dis, bah tiens, je le fais parce que c'est parce que quand même cool Est-ce que. Où tu as beaucoup de clients, beaucoup de retakes, beaucoup de. Euh... Cette illustration-là, j'ai eu beaucoup de reprises, j'ai eu beaucoup de choses à modifier. Euh... Mais vraiment, au part de. On dit... Euh... Alors attends, j'ai le process, j'ai tous les JPEG exportés. Yeah. J'ai montré ça. Euh... J'étais très fier au début. Et après, quand j'ai vu l'ampleur du travail, les, les changements et tout, en fait, je me suis dit, euh, dès que c'est des cols blancs, euh, <laughs> euh, c'est <laughs> technique. C'est ça, ouais, non, il faut, il, il faut, il faut gérer complètement. Et, et je pense aussi, ça, ça fait partie des, euh, des sujets qui sont abordés par Pauline le vendredi avec les euh, sur les sujets de développement carrière ou autre. Euh, c'est comment tu peux travailler euh, et comment tu tu échanges avec tes clients. Euh, oui. Ouais. Non, c'est, très, c'est toujours, euh, c'est toujours un, un numéro d'équilibriste, hein, parce que, mmh. suivant, il y a des, il y a des personnes avec qui tu vas avoir un feeling et le, et ça va matcher très, très vite. Et en fait, tout va se faire très naturellement et ça va être hyper agréable de bosser avec ces gens-là. Et il y a des fois où ça va être, bah, ça va être justement plutôt des grosses, des grosses entreprises. Donc, c'est des groupes où c'est plutôt des, des comités et t'as pas affaire à faire une seule personne. Tu as plusieurs mmh. personnes qui vont, du coup, prendre les directives. Donc, euh, et c'est là où c'est toujours catastrophique en général, parce que c'est comme si tu mettais plusieurs cuistots, plusieurs chefs dans une même cuisine, euh, tu peux pas avoir un, il faut un que t'aies un leader. Descend. Ouais, il faut, et tu, tu te retrouves avec du consensus là où t'aimerais avoir une, 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 vraie direction, un vrai, une vraie, création. Exactement. Et donc là, tu vois, les bouteilles, il y en a quelques-unes qui sont dessinées, et par exemple, tu vois, la Rockstar, la finale, elle est pas du tout comme ça. Là, ici, on a un dragon, tu vois, un dragon ah, euh, hum. chinois, parce que pour faire référence au Chinatown de Chicago, qui est, a une communauté qui est, qui est très grande, qui est assez développée. Euh, je fais ma mise en couleur, etc. <laughs> Pour le moment, on me dit bah tout ça c'est très bien et tout, euh, c'est super chouette. Pas du tout. Et alors le dragon, on me dit oh, le dragon il prend de la place quand même. Euh... Tu aurais peut repas... <laughs> Ouais. Non, <laughs> on me dit tu peux pas faire autre chose et tu pourrais pas mettre euh, un autre élément à la place. Ah. Allez, attends, Alors, comment dire, il est, est en plein milieu de l'illus, il est en dessous. Exactement, exactement. <laughs> puis là, les calques étaient fusionnées, tout ça, et forcément, et puis ils me disent à moi, non, il faut remettre autre chose et tout. On va mettre une rivière. <laughs> et là, ah bah, ça, là. Ça, c'est toujours bien, c'est toujours ce moment où tu profites. Alors, du coup, tu, quand tu dis là, les cales qui étaient fusionnées, euh, t'avais pas de version euh, de, ton, de ton fichier d'avant Alors. Euh, ça dépend et euh, mais euh, non en fait de toute façon il y, y a des moments ça arrive quand tu travailles tu oublies que tu fusionnes certaines choses ou tu as des mmh. calques tu te, tu te mets à travailler sur le mauvais calque et typiquement ça a été le cas là ça arrive de temps en temps pour des petits éléments tout ça mais là tu vois c'était un élément assez compliqué et je me suis dit et de toute façon j'étais persuadé tu sais au stade où j'en étais quand on est là illustration tu te dis bon allez fini euh, c'est ciao c est, c est pas bon, du tout cool, et en fait pas du tout pas du tout et donc tu vois c'est là où... et mais c'est là où, tu vois, c'est compliqué de rebondir, mais euh, c'est là où on s'est dit, Chicago, il y a plusieurs rivières qui passent, et celle-là, elle est assez euh, représentative, elle est importante dans cette ville-là, parce que tu as, as tout un, un trafic maritime. Donc, euh, j'ai redessiné ça, et en fait, on s'est dit, c'est pas plus mal, ça permettait de faire euh, une meilleure lecture de l'image, elle est plus compréhensible au final. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, c'est dans la douleur, mais mine de rien, à chaque fois que j'ai des clients qui m'ont fait changer des choses, malgré euh, ce que je pouvais en penser, ça a, ça a toujours tourné dans, dans un bon sens. Dans le bon sens, sens et, et, et ça te permet d'avoir quand même des illus qui te, qui te conviennent à la fin et dont, es, euh, dont, dont tu peux être fier et tu peux, euh, tu peux les conserver. Question de Patrick. Euh, le oui. client a-t-il tous les droits sur les images euh, pour les, les placer sur différents supports ou est-ce que c'est des trucs que tu négocies ah en est-ce que tu découvres après C'est une bonne question. Alors en fait, ça dépend totalement de l'illustration et du client mmh. euh, et de comment dire de du pourquoi euh, l'illustration euh, est faite. Euh, par exemple, pour ce, cette illustration-là, on est on parle d'un grand groupe, euh, d'une grosse entreprise. Euh, forcément, je concède tous les droits. Euh, Lorsqu'il m'achète l'illustration. Donc, moi, derrière, je n'ai plus aucun droit, je ne peux plus toucher à cette illustration-là et je n'ai pas le droit de m'en servir pour ma propre exploitation euh, personnelle. Donc, je ne peux pas la vendre sur mon site ou quoi que ce soit Mais tu à travers un shop. peux la sur ton ou... portfolio quand même pour la présenter. Mais j'ai le droit... si as besoin. Oui, tout à fait. Mmh. Parce que là, c'est pareil, c'était eu... ouais. par l'entremétage d'une un... agence. Mmh. Donc, euh, j'étais prévenu, j'avais le droit. Donc, euh, c'était bon. Euh, mais par exemple, tu vois, il y a des travaux que je vais réaliser où euh, je peux garder les droits d'auteur et mmh, en fait, mmh. ça va dépendre aussi du coup comment je vais tarifer euh, mmh. euh, mon devis. Moi, souvent, ce que je propose, par exemple, le travail que j'ai fait avec euh, Oishi Market qui est une petite boutique à Paris euh, qui vend des euh, des, comment dire, des confiseries japonaises, qui, qui les importe et qui les vend dans une boutique, eh bien… Eux, je leur ai dit, bah écoutez les gars, vous avez ça comme budget. Moi, je suis super, euh, je serais super content de travailler avec vous parce que j'adore cette thématique-là et c'est vraiment le le style, un style de dessin que que j'adore faire. Mm -hmm. euh, je vous la mets juste en en plan comme ça, voilà. C'est cette série là. Et euh, et du coup, je leur ai dit, eh bah ben, moi, ce que je vous propose, c'est que on fait plein de petits dessins, tout ça. Donc mm -hmm. c'est pour euh, eux derrière pour s'ils ont besoin d'imprimer des packaging, s'ils ont ils veulent faire des affiches pour les vendre, euh, pour décorer leur propre boutique. Et euh, je leur ai dit si vous voulez, bah moi je garde les droits pour ma propre exploitation. Donc je me je me garde les droits de si derrière je veux faire des produits dérivés, vendre les vendre etc. J'ai le droit, euh, mais bien sûr je vous mentionne tout le temps et mmh. comme ça je vous fais quasiment à un moitié prix, tu vois. Mmh. Donc euh, mmh. ça permettait au lieu de faire un devis, tu vois. Euh, euh, imaginons ici euh, 12-13 illustrations, ça aurait été un truc genre 5-6 000 euros. Là, on était sur un truc 3 000 euros. Et comme ça, moi derrière, je peux récupérer, je peux compenser euh, avec des ventes euh, perso. Mmh, mmh. ouais carrément. Et alors du coup, par contre, eux ne font pas le... Enfin, je regarde sur leur Insta à l'instant. Ils en font pas la promotion, ils ressortent pas Thesilus. Ils les ont utilisés à l'intérieur et pas... Un... Oui, alors c'est le cas pour le moment aussi, mais c'est euh, c'est quelque chose qui viendra euh, par la suite euh, normalement. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, ils ont tous les droits et en fait le deal, c'est toujours de euh, toujours au moins dire bah c'est Oishi Market en l'occurrence, donc euh, il faut que je le je le note et je le je le précise toujours. Et ça, je l'ai fait avec beaucoup de marques et tu vois aujourd'hui ça me permet de euh, par exemple des illustrations que j'ai pu faire les, les la série d'illustrations noire et orange. Mm -hmm. euh, je vais te montrer le celle-ci, là, mmh. euh, ça me permet aujourd'hui de les décliner pour plusieurs marques, pour plusieurs collaborations. Donc, euh, j'ai fait des, des t-shirts et des suites avec euh, Talister, par exemple, mmh. marque de vêtements à Paris. Je m'en suis servi aussi pour faire euh, des visuels pour des coques avec euh, Rhino Shield. Et en fait, l'idée, c'est d'optimiser chaque utilisation d'un dessin et de pouvoir euh, on va dire, en tirer les fruits le plus possible. Ouais. Oui, ça, ça reste pas limité à. Tu le fais pas juste pour les écrans, tu peux euh, voilà du du print, des coques, des pulls, du textile, et autres. c'est ouais, Exactement. Donc euh, donc c'est je c'est l'idéal et euh, c'est pas quelque chose au début on a le l'automatisme. Euh, J'avais pas du tout ce réflexe là et puis en fait au final. C'est en bossant avec Rinochid et je me suis dit, tiens, mais j'ai besoin de sortir des visuels avec eux. Et je suis allé puiser dans ce que j'avais fait et je suis retombé, donc, tu vois, sur ces illustrations-là qui sont à la base un Inktober, toute ma série mmh. noire et orange, là. Et, euh... et du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai fait un Inktober, j'ai quasiment 15 ou 16 dessins que j'ai fait », Je me suis dit, bah, c'est bon, allez hop, on va tous en servir <laughs> <Je> dirais, <laughs> donc, Directement, Dire euh... pouvoir ré réutiliser. Mais alors, pour le coup, tu dis 15 ou 16, normalement, Inktober, c'est 31. Ouais, mais je suis un lâche. Ouais. <laughs> non mais moi, je déplace rarement les cinq, donc, euh... donc je, je comprends. Ouais. Je... Ouais. Non mais j'étais en voyage en plus à ce moment-là quand j'ai fait cela, donc euh... <laughs> c'était compliqué de faire les deux. Donc ouais. Alors j'ai des gens qui nous ont qui sont sentis lâchement abandonnés par la fermeture de Beyoncé, d'un coup, mais vous pouvez nous retrouver. On est on est encore quelques minutes sur euh, sur YouTube. Euh... Non mais c'est cool. Ça, ça nous a permis vraiment de partager, de, 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 de découvrir. Différentes facettes de ton boulot, différentes manières de travailler. J'ai une question qui m'a été posée tout au début et à laquelle je repense là maintenant. C'était oui. comment tu as fabriqué tes palettes et comment tu les fais évoluer au, fur et au fil du temps Ah, euh, alors mes palettes, euh, c'est tout simple. Au début, tout a été fait. Euh, donc euh, dans mes travaux, il y a toujours. Euh, tu as vu le orange euh, le orange qui est toujours très présent, l'orange, le, le beige, toutes ces mmh. couleurs-là. Et en fait, euh, c'est tout simplement vu de mon euh, le travail pour que je devais faire pour le diplôme, qui devait être un projet professionnalisant pour l'examen le, final euh, de l'école Brassard. Et euh, en fait, comme je savais que je voulais faire des dessins euh, japonais, mmh. je vais te mettre le truc sous les yeux en même temps. C'était ça. Et euh, en gros, euh, je savais que je voulais faire euh, quelque chose japonais vintage tout ça. Et en fait, je suis allé tout simplement. J'ai pris plein d'images au PIF, années 60, 70, de publicité japonaise. et en gros, j'ai fait, euh, j'ai fait ma petite analyse et je les ai toutes mises à côté dans un camailleux, chacune dans un petit carré, et je me suis dit, ok, c'est quoi les grandes tendances colorimétriques qui en ressortent Et je me suis dit, ah, ok, il y a l'orange qui ressort vachement. C'est vrai que l'orange, en plus, ça peut être mixte et tout, donc c'est plutôt une couleur sympa. Euh, donc ça a commencé comme ça, et à partir de là, j'ai commencé à étouffer mes couleurs et toujours un peu dans ce process de euh, je regarde ce qui se fait sur une période, par exemple sur un mouvement artistique ou quoi que ce soit. Je me dis, ok, ça, ça peut être bien. Euh, je peux l'incrémenter dans mon travail. Du coup, euh, j'essaye et en fait, de fil en aiguille, je peaufine un petit peu la couleur et euh, j'arrive à trouver et à retomber sur des couleurs qui concordent avec les précédentes que j'ai pu choisir. Donc, on est toujours dans un travail euh, de recherche comme ça, d'analyse euh, euh, bah, des couleurs au final suivant les suivant les périodes. Parce que c'est cool, ça marche ouais. super bien et c'est très identifié, justement. On le pense, enfin, je pense au Tory et tout ça, où c'est vraiment une couleur marquante et flagrante là-bas. Cool. Et, euh... et ouais, donc voilà, en gros, à peu près, tu vois. Et bah pour je peux te montrer vite fait, aujourd'hui, tu vois, ma palette de couleurs Photoshop, elle est vraiment. Euh... Tu vois, j'ai ça. Tu vois, par okay. exemple, typiquement Pepsi, Pepsi là j'ai mes ont, couleurs. Ils ont leur palette à eux et plus jamais ouais. tu les réutiliseras parce que c'est un trauma, c'est ça. <laughs> on peut dire ça, ouais. Mais <laughs> voilà, tu vois, en gros, c'est un peu à chaque fois que j'ai bossé sur... Là, c'est quelques projets qu'on voit, C'est, tu vois, au market il y a 2-3 deux, deux, couleurs. Et à chaque fois, tu vois, c'est comme ça. Et... Ouais, carrément, bah Écoute, c'est très clair. Merci, merci beaucoup pour tout ça. Merci. Et bah avec plaisir. Si, si oui, euh, cher public, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Parce qu'on arrive à peu près au moment où on va clore tranquillement. On a encore des, des images. Derrière, regardez. Oh, elle est cool aussi celle-là. Elle, elle fait vraiment d'époque. Ouais. C'est une rêve eh ben... ou c'est une, euh, ou une euh, de toi euh, Non, non, c'est de moi. C'est euh... <laughs> c'est un truc que j'ai fait pour un petit groupe euh, inconnu. C'est un des pro... premiers groupes de musique avec qui j'ai bossé pour qui j'ai fait une pochette d'album. Et, Et l'idée, c'était de faire une nana, euh, une femme qui était en toi de tu sais, de, de poupée euh, dragon chinoise. Mm -hmm. euh... Et, euh, et en gros, je me suis, j'ai appris, tu vois, par exemple, pour les couleurs de ce dessin-là, j'ai regardé les couvertures de magazines euh, japonais euh, années 60 un petit peu. Donc, pareil, j'ai vu qu'en fait, c'est souvent des couleurs assez primaires. Euh, euh, tu es sur un bleu qui est très basique, en fait, au final. Tu es sur quelque chose que tu vois souvent. Et c'est juste qu'avec le petit grain de texture euh, de, du papier, euh, ça donne un petit peu de... Bah, de toute façon, c'est le papier qui fait tout. Hein. C'est ce qui permet, les textures, ça permet d'harmoniser. <coughs> Oui, carrément, et je pense qu'il doit y avoir ce truc-là aussi, c'est-à-dire que on travaille beaucoup sur la texture à l'intérieur de Photoshop. Euh, Est-ce que, euh, justement, dans les, les moments où tu as fait des réalisations en sérigraphie, où on en reparlait un peu plus tôt, tu te dis, bah tiens, là, il faut supprimer la partie texture et, euh, et, et revenir sur le blanc et utiliser vraiment le papier C'est arrivé quelques fois, mmh. Ouais. mais... Euh... C'est arrivé quelques fois, et... mais au final, je t'avoue, j'essaie de ne <laughs> pas trop avoir cette contrainte-là, parce qu'au final, je me suis rendu compte que ça permettait tellement d'amener une identité dans mon travail, mm -hmm. euh, et surtout, en fait, d'harmoniser, hein, parce que c'est pas évident. De... C'est là où je me suis rendu compte, hein, quand je me suis habitué à faire ça, que tout de suite, dès qu'il faut que tu travailles, un à un travail qui est beaucoup plus plus soft, beaucoup ouais. plus brandé. Euh, en fait, c'est très compliqué d'avoir une identité qui est, euh, qui est jolie et qui, est, mais tu sais, qui, qui soit lisse, mais qui soit pas non plus quoi. Il faut qu'il y ait ouais. du caractère. Exactement. J'ai une Donc, question euh... de Cédric sur est-ce que tu as des conseils pour le print Alors, euh, à quel... Alors, je suppose, c'est justement sur ces, ces histoires d'impression, de série ou autre. Euh, bah, des conseils pour le print, bah, je sais pas, euh, bosser avec un imprimeur local, euh, <laughs> parce que euh, bosser local, <laughs> parce que ça fera travailler les, les, les gens de chez vous et que ça, vous allez créer des amitiés avec qui euh, et des, une amitié et puis un professionnalisme aussi, parce que mmh. du coup euh, vous, vous serez mieux conseiller tout ça. Mais euh, pff, ouais, à part ça, en vrai, euh, oh, si quand on bosse avec des imprimeurs, faut toujours avoir des fichiers irréprochables hyper Important de faire attention à ces, ces PDF, tout ça, pas avoir des PDF trop lourds, à avoir des les, les traits de découpe, toutes ces choses là. Donc, euh, <laughs> oui, je ne fais pas que du Photoshop, je fais aussi un peu de InDesign, mais <laughs> tout, tout à fait. Non, mais, mais il faut, il faut de toute façon, ça va de pair. Et du coup, je vais garder la dernière question pour Octo et Aichi. Euh, Octo nous dit est ce que tu pars tu, tu pars sur quoi dans tes projets euh, enfin est ce que tu as des choses de prévues des nouvelles créations et Aishi qui a l'air d'en savoir un peu plus nous dit est ce que tu as parlé du big projet en cours une... euh, non je n'ai pas parlé du big projet en cours parce qu'il euh, il est euh... ah, bon, il est confidentiel exactement et pour le coup celui il est très confidentiel euh... <laughs> donc, non, <laughs> euh... mais sinon donc à part celui ci euh, en fait actuellement non je n'ai pas de vrai projet en cours parce que c'est euh... C'est un client à qui j'avais envie de bosser depuis, depuis des années. C'est un peu un client qui m'a ça m'a motivé à me lancer dans l'illustration vraiment. Et j'attends de je voulais j'ai toujours voulu bosser avec eux et il s'avère que ça va peut-être se faire. C'est temps pour parler. Du coup, euh, on va dire aujourd'hui maintenant que je je me suis un petit peu je me suis un petit peu installé et tout et j'ai vraiment charbonné énormément depuis deux ans. En ce moment, je suis un peu en mode. Tranquille, on souffle et, euh, et je me concentre là-dessus. Je prends mon temps, je prends, en fait, je, je prends, euh, je prends mon pied, quoi, à bosser là-dessus clairement. Donc, euh, je je peux pas en dévoiler et mmh. trop pour le moment. De, de, de toute façon, on verra ça quand ce sera paru et on oui. pas. Et, et ça, je, ça c'est un truc que je dis aussi aux artistes que je reçois. Nous, on n'est pas à la chasse aux scoops. Vous êtes tout à fait à même de suivre les réseaux sociaux et de, de, enfin, il n'y a, a plus. Euh... Je trouve que maintenant, on n'a plus le côté euh, c'est mystérieux, les artistes, on les voit plus, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Il y a largement de quoi euh, se tenir informé, même pour ceux qui ne partagent pas énormément. Donc, ouais. euh, donc il suffit de vous abonner, bah, tu, tu nous en parlais, donc il y a ton Beyond, il y a ton Instagram, il y a ton Twitter, il y a ton Twitch... Donc on, tout le monde a peut tout. te suivre. Et puis, euh, je, ben moi, je vais vous dire la même chose. Si vous, avez, si vous nous avez suivis du côté Beyonce, moi, ça m'a permis d'ailleurs de cliquer sur les portfolios des, des, des uns et des autres. Ça, c'était plutôt chouette. Et euh, vous pouvez vous abonner du côté Beyonce, vous abonner du côté YouTube. Vous avez le droit de mettre des likes si vous avez compris où était le, le, le bouton en question. Euh, et puis ben, merci à tous dans le public parce que vous avez été très présent, très chaud et tout. Euh, Delphine nous dit bravo pour ce superbe travail, ce mélange de vintage et de culture jab, c'est encore génial. Euh, superbe session, belle découverte, personnalité positive. Bonne suite. Ah, merci. Laurent. Pierre l'imprimeur. S.O. Pierre l'imprimeur. S.O. Quand reprocolore. Ah oui, bah ça c'est, mon imprimeur ça. <laughs> Il est toujours présent quelque part. Et euh, Clémence nous éloignant. dit pas de questions. Clémence Gouy a fini par nous rejoindre, tu vois, elle est arrivée ah au moment où on avait fini 15h30, elle débarque. Super, ça, bah ça, bravo. C'est le décalage <laughs> horaire ça. <laughs> elle elle était ça. avec moi quand on avait vraiment 8 heures de décalage horaire, c'était pas simple. et Elle nous dit pas ah, oui. de questions, mais je veux trop voir un clip animé made in PM un jour. Alors moi je dirais regarde le replay. Parce qu'on a eu deux clips animés, mais il dit une PM pour le coup. Alors ouais, on est sur des illustrations très succinctes, mais <laughs> ça fait partie des. J'aimerais beaucoup un de ces quatre. Euh, tu sais, faire une je sais pas une direction artistique sur un projet qui aille plus loin, par exemple un clip. Ouais. Et là où je puisse vraiment euh, euh, tout, tout donner et, et bah encadrer du début à la fin la DA, quoi, ça serait des super chouette. J'espère que ça viendra, je pense que oui, ça viendra un jour, oui. mais pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion. Il n'y a, a, a pas de raison que ça ne vienne pas, je suppose que c'est des trucs qui se déclenchent au fur et à mesure, au fil des, au fil des projets de toute façon, quoi qu'il arrive. Tout bien. à fait, Ouais. Euh, je vais vous remettre, juste avant de, de clore la session, Donc, le planning de la semaine. Vous avez eu une île hier, audition ce matin avec moi. Caroline Attia, demain à 14h, si vous avez aimé PM aujourd'hui, je pense que Caroline, ça devrait vous plaire. Demain, ce sera animé en plus. Euh, après demain, jeudi, il y aura Zakizi pour des photomontages et on parlera de tout son, tout son parcours. Et on terminera la semaine ce sera Pauline qui recevra Ectomorph, à, à Louisa. On va justement regarder les parties développement de carrière, de communauté, etc. autour de la création. Donc euh, voilà, profitez bien et suivez-nous vous savez nous retrouver vous savez suivre tout ça parce que vous êtes tous très grands. Merci beaucoup <laughs> à toi, PM. Bah, merci, merci à toi, toi Franck, vous. pour l'invitation. C'était ouais, un plaisir. Écoute, grand plaisir. Et euh, à très bientôt. Rendez-vous, tout le monde, demain, 14h. Bye-bye. Salut. Bon, bah très cool.